This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Ha ha, that chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. Thank you.
Non mais je sais pas, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah, Davy, s'il te plaît, on n'a pas le choix là. On avait prévu un truc, c'est tombé à l'eau et t'étais là, juste à l'étage. Si tu le fais pas, on a personne et on n'aura pas de plateau pour les 3 ans. Ah, mais franchement, Alex, j'ai déjà hyper du mal à expliquer en dédicace aux gens que je travaille plus à No Life. Et là, si je présente la soirée des 3 ans et... Ah, bah, c'est l'occasion de le dire. Ah oui, alors je le fais, mais uniquement pour ça. Ok. Je présente les 3 ans de No Life. Mais juste pour dire que je ne travaille plus à No Life, ok ? Ouais, ça me va tout à fait, du moment que tu nous dépannes. Ok. Ok, ça tourne. Ok. Bonjour à toutes et à tous, c'est Davy Mourier. Bienvenue dans les 3 ans de No Life. Je ne travaille plus à No Life. Cette soirée est totalement exceptionnelle, encore plus que les 120%, parce qu'avant les 120% étaient exceptionnels, mais les 3 ans de No Life, vous imaginez 3 ans. La chaîne, elle a 3 ans. Avant, quand elle a débuté, on croyait que 6 mois plus tard, elle allait fermer. 6 mois plus tard, on a cru que 6 mois plus tard, elle allait fermer. Et après, 3 mois plus tard, on a cru qu'elle allait fermer. Et là, elle a 3 ans. Alors pour revenir sur 3 ans de No Life, il fallait faire un making-of et un long making-of qui va être en 2 parties dans cette soirée. On commence tout de suite avec la première partie. Restez, hein, parce que cette première partie, elle est un petit peu tristounette. Mais restez, parce qu'après, ça va aller mieux. Voilà. Pas mal votre plateau, quand même. On est bien. Enfin, en tout cas, je me sens bien. Ouais, donc il est 14h et là on est en train de finir le tournage du making-of que je suis en train de monter. Il reste plus beaucoup de temps. Je suis fatigué, mais je suis pas le seul, on est tous fatigués. Il y a un an, c'était horrible. Donc on a appris coup sur coup qu'on n'arrivait pas sur le câble, donc déception, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour nous. Qu'on n'arrivait pas sur la satellite, bon, ça on s'en doutait un peu, tellement c'est cher, et, enfin voilà, c'est hyper compliqué d'arriver sur le sat. Et en plus, bah, forcément, ça a entraîné un autre résultat, c'est que du coup, bah, on ne pouvait plus être financé par Ankama, parce que leur but, c'était pas de nous financer éternellement et vitam aeternam, c'était de nous porter, de porter la chaîne à un niveau où elle puisse être rentable à un moment donné, quoi. Et c'est normal, c'est toujours ce qui avait été prévu avec eux, ils avaient déjà fait énormément, il était hors de question de continuer à leur demander plus, quoi. Et donc, bah, on s'est retrouvé un peu en disant, bah, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Les portes étaient fermées, en quelque sorte, donc on était un peu tous abattus. C'est vrai que c'était juste avant Japan Expo. C'était vraiment un sentiment de se heurter à un mur, parce que la mesure de l'audience de Médiamétrie, elle n'était que sur le câble et le satellite. Et c'est de cette mesure qu'on avait besoin pour la publicité et pour gagner de l'argent. Et l'argent, on n'avait fait qu'en perdre jusqu'à présent. Et on était très très mal. J'ai vraiment eu peur. J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré en fait quand j'ai appris tout ça. Vraiment la grosse panique. J'étais comme un mur et d'un seul coup, toutes les briques tombaient petit à petit comme ça. Je me suis dit que c'était un peu la fin. Ouais, c'était la déprime générale et... Bah là, je me suis dit que c'était foutu. Le premier souvenir, c'était l'inquiétude. On était tous très inquiets et moi, j'étais vraiment inquiet pour No Life. Bah, je me suis dit, non, il faut pas que ça meure, quoi. J'ai un peu flippé, j'avoue, parce que bon, sans faire mon fanboy, je regarde plus autre chose vraiment comme télé. J'étais vraiment triste, quoi. C'était vraiment un boulot qui me plaisait. C'était un truc, je voulais vraiment continuer, quoi. Enfin, je faisais des montages géniaux, je pouvais voir des tonnes de trucs, les concerts, les lives. Enfin, c'était super et je voulais pas que ça s'arrête, quoi. C'était un truc, c'était vraiment super stressant comme période, quoi. J'étais malheureux pour vous, mais en même temps, moi, j'étais content pour moi. Je pensais que la chaîne allait s'arrêter et que je pouvais aller enfin prendre des vacances et du bon temps. Mais c'était peut-être une mauvaise réponse. Il fallait réagir immédiatement. Il fallait qu'un mois plus tard, il y ait des sous qui tombent. Sinon, la chaîne fermait. C'est pas bon. Mais franchement, je crois qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de... une épaule. Ah, tu voulais le poulet ? Oh. Et la première chose que j'ai pensé, c'est peut-être pas très rationnel, mais j'ai dit, on n'aura pas le temps de faire une soirée d'adieu. Je trouvais ça trop cruel d'apprendre ça pendant les vacances. Et moi, j'avais l'impression que c'était fini No Life, quoi. Je pensais pas que ça allait... Je pensais que là, c'était vraiment le coup près. Bon, au revoir, on arrête l'aventure. Et je me suis dit, on pourra même pas dire au revoir, la chaîne va s'arrêter sur des rediffs de vieux clips.
Voilà, c'était un gros, gros coup de massue. Là, c'était vraiment l'incertitude la plus totale. Donc, c'était un peu un coup de massue. C'était quand même la méga douche froide. Oui, c'était compliqué, parce qu'évidemment, quand on a des projets en tête et quand on a envie de faire des choses en grand, on doit réévaluer et peut-être un peu changer, se dire bon finalement on va être un peu plus modeste, on va faire des choses, on va continuer, on va évoluer plus lentement et c'est toujours difficile. Ok, on ne sait pas comment on va continuer à financer la chaîne et il n'y aura pas la nouvelle émission qu'on avait prévue parce qu'il n'y a pas le budget. Voilà, en parlant de nouvelles émissions, j'avais envie de te parler de mon émission, alors ça va être possible alors vu que les gens sont abonnés, on va faire la mienne. Alors, en même temps, tu vois, les abonnements, ça vient juste de commencer. Le problème, c'est que je sais pas trop ce que je vais faire, vu que j'ai plus 101%. Je fais quoi? Je peux pas revenir dans 101%, c'est nul et tout. Faut que je trouve un autre truc. Et j'avoue que j'ai eu un petit mois où il y a un mois de flottement où là, tu fais... Bah, c'était pas cool, puis en plus, on attendait tous un peu, on savait pas trop... No Life a frôlé la mort tellement de fois que, enfin, pour moi, en tout cas, la première fois... ça te fait quelque chose, et la deuxième fois, tu te dis « Bon, No Life est déjà revenu d'entre les morts une fois, on va attendre de voir ce qui se passe. » Bah en fait, on a l'habitude, on vit avec maintenant. C'est pas grave, on va s'en sortir, de toute façon. On a vu d'autres, on verra d'autres. Et puis d'un autre côté, plus profondément, dans mon cœur, j'étais « Ah, mon Dieu, comment on va faire ? Surtout comment ils vont faire, car moi, à l'époque, j'avais un travail. » Et c'est là qu'on a fait le sondage pour savoir est-ce que vous seriez prêt à payer pour No Life. C'était un petit peu la solution de la dernière chance. On savait pas vraiment si c'était faisable et on savait pas sous quelles conditions. Bonjour, je suis Sébastien, celui qui fait des messages bizarres à l'antenne. On vous a rencontré et on a vu votre enthousiasme pour la chaîne. Et ça nous a fait penser que si vous étiez prêt à nous soutenir, vous seriez prêt à nous soutenir avec juste des abonnements sur le web. Donc on essaierait de garder la chaîne gratuite. J'avoue qu'au départ, j'étais très dubitatif sur l'idée des abonnements. Je pensais pas forcément que ça marcherait. J'étais quand même super sceptique, il y avait plein de gens qui étaient pessimistes. Quand j'ai appris que Seb avait eu l'idée d'une solution qui pourrait peut-être nous permettre de tenir encore, j'ai été effondré. Je me suis dit non, c'est pas possible, on est passé à ça de la catastrophe. Et donc forcément du bonheur. Et là, tout d'un coup, Sébastien Ruchet, pof, une idée comme ça, un site internet. Rendre la chaîne payante, c'était quelque chose qui ne nous satisfaisait pas. C'était pas ce qu'on voulait faire avec No Life. On voulait parler plein de domaines et que ça soit vu par le plus grand nombre. Il y a eu un moment où on parlait au sein de la chaîne de rendre la chaîne payante. Et je trouve que c'était une très mauvaise idée finalement, parce que je trouve que c'est pas très classe d'abord. Et qu'ensuite, je trouve que les chaînes payantes sont souvent les moins bonnes, quelque part. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé l'idée d'avoir un service payant sur le site pour pouvoir garder la chaîne gratuite. Alors ça, c'était un pari. Un pari, est-ce que les spectateurs, les fans de la chaîne vont suivre et nous soutenir? Bon, heureusement, c'est pas quand même tout à fait le cas. On n'est pas encore sorti de la mouise. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a mis un drôle de coup derrière les oreilles. Je sais jamais, enfin je sais, j'ai toujours des doutes. Est-ce que les gens sont prêts à mettre de l'argent pour quelque chose qu'ils voyaient gratuitement finalement avant? Est-ce qu'ils sont prêts à passer le cap? Mais est-ce que les gens vont payer pour aller... Non, j'y croyais pas. J'avais des doutes. Hein. Personne n'avait jamais fait ça de toute façon, donc on n'avait aucune visibilité à savoir si ça allait marcher ou si 15 jours plus tard, on fermait définitivement boutique parce que personne ne s'était adonné. Je me suis dit, ça marchera jamais. Ça, j'étais tranquille, hein. Et pourtant, ça fait un an que ça dure. Le truc, c'est que 2 mois après que les abonnements étaient mis en place, il y avait encore des gens qui me disaient « Oh là là, c'est dommage que la chaîne soit payante. » Moi, je disais « Non, en fait, et j'expliquais, et en l'expliquant, je disais « Ouais, c'est n'importe quoi. » Et j'ai dû défendre pendant 2 mois un truc, et après, au bout de 2 mois, où les gens continuaient à me dire « Ouais, c'est dommage, c'est payant. » Après, je disais « Ouais, c'est vrai, c'est dommage. » Et c'est vrai que des fois je tombe sur les forums sur des gens qui disent ouais mais pourquoi je m'abonnerais, la chaîne je laisse, elle est comprise dans mon bouquet ADSL. Parce qu'en fait faire payer les gens sur internet déjà pour des choses c'est dur, mais je me suis dit No Life c'est quand même un public assez particulier, un public fidèle, qui a conscience un petit peu du travail qu'on fait. C'est pas un modèle économique, ça n'existe pas, il y a qu'au pays des bisounours que ça existe. Et ben voilà, No Life fait que ça existe parce que No Life c'est une chaîne de passionnés, fait par des passionnés,
pour des passionnés. Et bah, ces gens qui sont tous passionnés, qui aiment les mêmes choses, ils s'entraident dès qu'on peut. Donc voilà. Donc les gens qui travaillent pour NoLive font beaucoup de choses pour les téléspectateurs. Ils sont très à l'écoute, ils sont très transparents, ils racontent tout ce qui se passe à l'intérieur de la chaîne. Il n'y a pas de problème, on est vraiment très proche des téléspectateurs. Et ça fait plaisir de voir qu'en retour, les téléspectateurs sont très proches de nous. Au point, voilà, de payer pour quelque chose qu'ils ont gratuitement, juste parce qu'ils ont envie que ça continue. Oui, je fais partie des optimistes, je pense, à ce niveau-là, clairement. C'est, je pensais que le contenu de la chaîne était suffisamment original, neuf, libre, traitant de sujets différemment ou carrément de sujets qui n'apparaissaient jamais en télé ailleurs. Et je me disais, bah, le public est là, il faut simplement en fait, qu'il y ait accès donc, à ce contenu, et NoLive Online, c'était parfait. Quelques milliers de milliards de millisecondes EXP. Vidoc, j'ai un problème. Non, parce que à la fin, Alex, normalement, les gentils gagnent. Donc là, il n'y avait pas de raison qu'on meure, tu vois, dans l'anonymat, tout ça. Alors que tout ce qu'on essayait de faire, c'était trop positif. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Même si je sais qu'il y a des belles histoires qui se terminent salement, là, c'était pas concevable. Enfin, il y a eu beaucoup de bouche à oreille là-dedans. Je me rappelle quand Marcus avait refait son mail pour remotiver les gens à s'abonner et tout. Moi, mon travail, il y a un de mes collègues qui a renvoyé le mail à la boîte en disant oui, c'est important et tout, faut soutenir NoLive. Voilà, donc c'était rigolo quoi. Pour moi, c'était le choix parfait. C'est-à-dire le tout gratuit à la télé. C'est-à-dire, ben voilà, vous avez votre chaîne gratuitement à la télé, pas de souci. Et vous pouvez nous soutenir en prenant un abonnement. Et voilà, donc j'étais super emballé en me disant, bon, au moins on ressemble à des pauvres, hein, quand même, faut bien le dire. Mais en même temps, c'était, à mon avis, la seule solution pour qu'on puisse rebondir suffisamment vite pour continuer à exister. Bah, ça nous a quand même sauvé la vie. Et ça aurait été vraiment, vraiment dommage que l'aventure de NoLive s'arrête comme ça. À cause d'une porte qui s'est fermée sur nous, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'était une résurrection. La difficulté, c'est que maintenant, les téléspectateurs, dès qu'ils sont abonnés, deviennent aussi des clients. Donc, il faut un petit peu gérer cette pression-là. Il y a des gens qui viennent sur le forum, qui disent « Bon, bah, moi, je paye mon abonnement, alors il y a trop de ça, ou il n'y en a pas assez. » Enfin, il y a certains qui viennent râler un petit peu. Mais bah, de toute façon, je pense pas que ça ait d'influence sur la ligne éditoriale de la chaîne. S'il y a des gens qui aiment la chaîne, c'est parce qu'ils aiment la manière qu'on a de faire les émissions. Donc il faut savoir résister un peu à ces petites pressions de ci, de là, tout en écoutant les suggestions intéressantes. Hein. Il ne faut pas, voilà, faut pas se laisser aller et continuer à garder la direction, ne serait-ce que par respect pour les abonnés qui croient en NoLive et qui veulent que ça continue dans l'esprit qu'ils connaissent. Enfin voilà, on a choisi de se positionner en chaîne de niche. Après, voilà, c'est très casse-gueule, mais c'est comme ça. Ce qui était vraiment agréable, c'est de voir que beaucoup de gens s'abonnaient. Et que le nombre d'abonnements est monté très très vite au départ. Et puis au fur et à mesure du temps qui passait, des jours, des semaines, des mois qui s'écoulaient, il y a eu beaucoup moins de nouveaux abonnements qui arrivaient. Donc c'était très inquiétant. Et c'est pour ça qu'on s'est dit en octobre, là ça va pas marcher, il faut qu'on parle aux gens, qu'on leur explique que là, si ça continue comme ça, ça va pas marcher pour NoLive. Et on va pas pouvoir tenir. On voulait pas non plus faire genre « Oui, c'est une cause humanitaire, sauvez-nous !» Voilà, comme pour les enfants sans Noël ou que sais-je, les trucs humanitaires des années 80, c'était pas le but. Alors du coup, Seb était entre deux eaux, quoi. Genre bon, si ça s'arrête, c'est quand même très très triste. Bon, c'est pas si grave, c'est qu'une chaîne de télé, mais c'est triste quand même. Vous êtes pas 43 à vous être abonné, ni 33, mais 23. Mais c'est pas assez. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on regarde bien sûr chaque jour, et ça monte tous les jours, de manière régulière. Les gens s'abonnent. Et à ce rythme-là, si on continuait, dans 6 mois, on atteindrait les 42 fameux qu'il nous faut pour fonctionner. Mais voilà, les 6 mois, on les a pas. Alors, on nous a beaucoup reproché de dire la vérité, tout simplement, de dire que ça allait pas, là, qu'il n'y avait pas assez de nouveaux abonnements, et que si c'était comme ça, là, il fallait dans le mur. Mais en même temps, on a vu les abonnements reprendre, et du coup, on a pu tenir comme ça. La bonne surprise, c'était que la chaîne était sauvée. La mauvaise surprise, c'était que malgré tout, il n'y avait pas assez d'argent pour faire vivre la chaîne telle qu'elle était à ce moment-là. La fin d'année dernière, ça a été sans doute encore plus difficile que l'été. En décembre, où là, c'était plus... c'était un Noël spécial. Et on s'est réunis avec toute l'équipe où j'ai dit, écoutez, là, il n'y a qu'une solution, il faut qu'on ait moins de salaire à payer parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et ça veut dire qu'il va falloir diminuer l'équipe. Et ça, c'était très, très dur à dire. Il fallait que des gens s'en aillent
pour que la chaîne puisse continuer d'exister, ce qui est le but, pour pouvoir arriver à Médiamétrie, qui était tant attendu. En plus, on savait, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a su que les mesures allaient être faites sur la DSL. Voilà, quoi, certaines personnes, bah, dont moi, sont, pas dire on fait un sacrifice, mais sont partis pour alléger financièrement la chaîne. Bah oui, alors donc moi avec Davy, on est parti vers fin décembre, mi-janvier, si je ne me trompe pas, par là. Et on est parti donc pour faire road trip sur Gong et Jiré Lelé pour le site d'Ankama. Bah, c'est plutôt cool de pouvoir continuer à faire des émissions qu'on aime. Et donc, grâce à tous ces gens qui ont décidé de se sacrifier, on a pu arriver à un mode de fonctionnement où ça tenait avec le rythme de nouveaux abonnements et d'abonnements qu'on avait à ce moment-là. Évidemment, ça fait mal quand les gens partent, ou quand ils sont obligés de partir, ou quand ils ont envie de partir. Davy, c'était une des âmes les plus créatives de la chaîne. Il apportait genre un ton particulier, du contenu énormément. C'était un bosseur staccanoïste. Il faut savoir que dans la rue, à peu près au moins une fois ou deux fois par semaine, j'ai un mec qui me fait « Super No Life, continue comme ça !» ou « Je suis derrière vous !» Et alors, au début, parce que j'étais un peu vénère au début, parce que j'avais pas trop envie de quitter la chaîne quand même, et donc quand les mecs me faisaient « Super No Life », je faisais « Je suis plus un No Life !» Voilà, c'est énervé. Et maintenant je fais « Ouais !» Il sera pas remplacé, ça c'est certain, puisqu'il avait vraiment son style, il faisait tellement de choses pour la chaîne. C'est vrai que l'ambiance est plus la même depuis le départ de Davy. Mais là où j'ai quand même de l'espoir, c'est que bon, je sens bien que Davy, s'il pouvait, je pense qu'il reviendrait faire des choses pour No Life. Malgré tout, No Life a continué. Il y a eu des nouvelles émissions, on a développé d'autres choses. Je trouve que No Life évolue, en fait, un petit peu comme un Pokémon. Beaucoup d'éléments valeureux, je dois bien le reconnaître, de la chaîne sont partis. Quand j'ai vu que c'était pas les plus mauvais en plus qui s'en allaient, je me suis dit, je vais faire partie du lot. Il faut que je me sacrifie, c'est pour le bien de la chaîne. Mais finalement, non, on m'a même pas proposé. On m'a même pas proposé de me sacrifier. On m'a même pas proposé gentiment de moi-même de partir. Et je voulais pas me faire remarquer, alors j'ai rien fait. Alors oui, donc du coup, en décembre, donc j'ai appris que Clément, qu'il fallait faire un choix et que Clément, lui, partait parce qu'il avait d'autres projets, tout ça. Donc j'ai su que moi, je restais. Mais oui, donc au grand trou parti, je savais que j'avais tout le travail pour moi. Et là, je me suis dit, waouh, comment je vais m'organiser? Ça a été super dur au début. Bah moi, je suis partie un peu de moi-même aussi à moitié parce que je me disais, je coûte tant à la chaîne, si je peux coûter deux fois moins et que je peux continuer à faire au moins auto, ça peut être pas mal. Je reste toujours avec No Life, on continue à parler de G-Music, mais je suis des freins en moins. Donc c'était... on a arrêté AutoX, mais bon, il y a toujours auto, et pour moi c'est hyper important. En contrepartie, je travaille dans un restaurant de sushi. Mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ça qui m'a découragée, à l'inverse. C'est très difficile d'être serveur dans un restaurant de sushi. Et justement, j'appréciais 10 fois plus mon travail à No Life, je me disais mais quelle chance j'ai d'être à No Life, il faut vraiment que je me donne du mal, il faut vraiment qu'on continue tous parce que c'est pas possible que ça s'arrête, c'est vraiment trop bien par rapport à être serveuse dans un restaurant de sushi. Il y a plein de gens qui disent « Ah, No Life, ils en ont pas pour longtemps, ça durera pas, voilà. » Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup de gens qui nous critiquent en disant vous n'aviez pas de business plan solide dès le départ, vous êtes lancé dans un truc comme ça, comme des aventuriers, faut pas s'étonner, maintenant c'est bien joli de venir pleurer à la télé. On n'avait pas de business plan valide, tout simplement parce qu'on se lançait dans quelque chose qui était complètement inconnu, la création d'une chaîne sur la DSL. Mais moi, dès le début, dès le premier jour, quand Alex et Seb sont venus me voir avec cette idée de chaîne, je me suis dit, cette chaîne, elle est géniale et elle va durer des années et des années parce qu'elle est faite vraiment par des gens passionnés qui ont envie de la faire, cette chaîne, parce qu'ils ont envie de la voir dans leur télé. Donc tant qu'Alex, Seb, moi et tous les autres, on aura envie de voir dans la télé une chaîne comme No Life, on continuera à la faire. Je peux reconnaître vraiment très facilement qu'on n'avait pas forcément les compétences au niveau... contact au niveau pub pour avoir quelque chose de sécuritaire dès le départ. Maintenant voilà, on avait les compétences pour la créer, la chaîne, et on sentait que si on la créait pas à ce moment-là, c'est un créneau, c'est une opportunité qui allait
disparaître. Et c'est clair qu'il y a des choses qui sont devenues plus difficiles par la suite. Alors maintenant, voilà, à notre place, vous auriez fait quoi? Ben nous, on a décidé de tenter le coup. On a décidé de se lancer et de voir tout simplement ce qu'on pourrait faire par la suite. Et on est arrivé à faire plein de choses. Et on est encore là après 3 ans, même si on a été au bord de la mort plein de fois, qu'on a été, enfin, que si on est là, on le doit à plein de gens, à plein de à des sociétés comme Okama, à des gens qui sont sacrifiés là, à tous les spectateurs qui nous soutiennent aujourd'hui. Game Production qui au début a fait plein de choses, enfin. Est-ce que vraiment, on aurait dû ne pas lancer la chaîne? Est-ce qu'on aurait dû ne pas faire ça? Bon, je crois pas. Je crois que là, on a pu aussi montrer l'exemple de la création d'une chaîne unique au monde. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on a appris en la créant, il y a plein de choses qu'on a appris sur le tas et qu'on apprend encore aujourd'hui avec la mise en place de médiamétrie, des mesures, de la pub. Bah ouais, mais on fait de notre mieux et on espère bien y arriver. Je connais aucune autre chaîne qui soit aussi honnête et aussi transparente que No Life, donc voilà, il faut qu'elle continue cette chaîne, rien que pour ça. Ah voilà, et voilà un making of qui commence bien hein, quand même. Donc comme vous avez pu le voir dans le making of, je ne travaille plus sur No Life. Voilà, maintenant c'est la tradition. On va revenir sur un an de 101%, un montage de tous les débuts de 101% depuis un an. Vous allez voir qu'il y a un an, j'étais dans 101%. Vous allez même voir mon dernier 101%. Ensuite le premier 101% de Philippe et le 101% où Benoît me remplace. Voilà, on regarde tout de suite. Un an de 101%. Première partie. Ouais, parce que sinon, d'un coup, sinon à un moment, vous allez zapper, aller regarder Gong, je sais pas, pour voir mes road strips. T'as vu, je l'ai placé. Salut les geeks et salut les geekettes! Aujourd'hui un 101% exceptionnel puisque nous retrouvons toutes nos rubriques habituelles du mardi, le reportage sur Another Code Air, le temps perdu, Retro Magic, et tout de suite, eh ben c'est les... Oh, arrêtez s'il vous plaît! Voilà, tout à l'heure je vous ai dit que c'était un 101% un petit peu spécial puisque j'ai une chemise. Eh bien c'est parce que nous fêtons le nouveau fond vert de No Life. D'habitude c'est sur fond blanc. Eh ben là on a un nouveau fond vert qui est... Mais c'est de la haute technologie. Mais plutôt que d'en parler pendant des heures, on va vous montrer comment il est trop balèze notre fond vert. Attention, incrustation. Voyez ça un peu? C'est la nouvelle technologie, c'est du fond vert 3 points carrés. Mais on arrive même à avoir du sable fond vert dans les yeux. Takanotsume, Takanotsume, Takanotsume. Alors on va voir... Une critique Battle Station Tactics. Tiens, t'es morte. Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce nouveau Question pour un Geek. Alors, tout de suite, chez vous, un indice. Tyler Durden? Non plus, non, qu'est-ce que tu dis? Non. Oh, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans ce 100%. Non, Bumblebee, laisse-moi tranquille. T'as déjà eu ma virginité la semaine dernière. 金曜 の司会は n'importe qui. 司会の超マダムカキオです。久しぶりです。ということで。Bonjour. Aujourd'hui, nous allons avoir les critiques téléchargeables. Nicolas Robin, qui d'ailleurs, lui aussi, je sais pas, depuis qu'il a fait la bise à Pierre-Alex, il tousse. Mon souvenir, ça ne veut plus rien dire du tout. Bon bah merci, bah, au revoir. Mais bien cher geek, mais bien cher geekette. Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Et tout de suite, nous recevons notre premier invité, un invité à rayures. Bienvenue, bienvenue. Bonjour. Pour ce 101% exceptionnel en public. Et...
Merci. Davy, éducateur. Les ados difficiles, il connaît. Il a été éducateur au Gola à Annonay en Ardèche. N'importe qui. C'est pas mal, mais là, tu vois, t'as pas répondu à la question, en fait. Quelle question? Ben oui, pourquoi le jeu vidéo est dangereux? Pourquoi? C'est ça que je veux savoir, tu vois, c'est ça que les gens veulent savoir. Ah oui. Ah, webcam intégrée, Pokémon le dernier, de l'eau et des billets de train, la photo de Sébastien, et des chaussettes, la noire et la violette, et des chaussettes, la noire et la violette. J'aimerais que dans ce 101%, il y ait des sujets qui aient attrait qu'à ce que j'aime ou qu'à moi, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, des dessins animés que j'aime, des bandes dessinées que j'aime, on faisait des sujets, ou alors uniquement sur moi, sur Davy Mourier, quoi, 101%, tout ça, ou ma famille, peut-être. Vous pourriez peut-être faire des... Ok, d'accord. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ce 101% est terminé. Comme tous mes 101% à venir, d'ailleurs. Je voulais vous donner une petite explication, quand même. Parce que si vous êtes là, c'est que vous vous dites « Ah, c'est pas vrai, ça va être une blague comme d'habitude. » Alors non, ce n'est pas une blague. J'arrête réellement 101% à la rentrée, mais je ne quitte pas No Life. Salut Alex. Oh Benoît. Alors, comment ça va? Ah bah la patate, hein. Attends, moi je rentre de vacances, tranquille. Génial, bon t'es d'attaque, on y va? D'attaque pour ma première, c'est parti pour ma première. Ok. Quand tu veux, donc tu te présentes, tu fais le sommaire et on lance les news. Enfin, oh, on était jeunes, on était beaux. Hein. Je suis désolé, Tilly, je te regarde et tu n'as pas changé de t-shirt. Alors, effectivement, tu dois te dire... Je ne change pas de t-shirt vu qu'on est le même jour, mais le spectateur, il sait pas que c'est le même jour. Puisque là, tu enregistres une émission pour 2 jours plus tard, donc tu dois changer de t-shirt pour que les gens ils disent ce mec, il est propre. Même si on sait tous ici que... On a oublié de dire que j'aimais pas les présentateurs. Attention, ceci est la vengeance du mec qui fait les cubes et les flèches. Comme quoi, fallait pas se foutre de ma gueule. Ah, alors, il fait moins son malin, là, le chevelu. De toute façon, moi, je préférais Davy, alors... Un homme rencontre un âne, comment t'appelles-tu, dit l'homme? Bob Dylan. Là, je suis avec mon nouvel ami Davy, et pour lui faire plaisir, je vais changer de t-shirt. Donc, il y a des œufs. Bah, ben, il y a un écran avec 3 œufs qui gigotent. Golan kudasai. Yeah! Mes geeks, mes geekettes... Bonjour, vous êtes dans 101%. Bien, 101% bien classique, hein. Bienvenue! J'ai envie d'un bon coca avec des glaçons. Et éventuellement un burger. Le contenant n'est rien, c'est le contenu qui est beau, ou l'inverse. Benoît, mais qu'est-ce que tu fais? C'est marrant, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, tous les noms de Tamagotchi, ils finissent par Chi. C'est un petit peu comme si tous les Pokémon, il y avait leur nom, ils finissaient en Mon. Invité surprise, donc aujourd'hui c'était moi, donc maintenant je peux remettre mes lunettes et retourner à une vie d'informaticien normal. C'est incroyable quand même. J'arrive, hein. Hop, encore un coup, et encore un coup. Non, c'est parce que, vas-y. Tu te prends pour un justicier, mais c'est pas vrai, t'es un imposteur. Lundi on fait, hein, ami. Critique de jeu, encore? Mais non, ça suffit de la semaine dernière. Ah non, il est tombé par terre. Va-t'en, toi! C'est moi la star! Bouge, bouge! Allez, bouge! Pardon, excusez-moi, c'était le nôtre graphiste là qui fait tous les habillages, qui fait les flèches et les cubes. Salut les geeks et salut les geekettes! Bonjour à tous, c'est 101%. Tout cela est quand même bien louche. Vous voyez ce truc là? Benoît l'incarne parfaitement car il est vieux, c'est un vieil animateur de No Life. Ha ha! Je le savais! T'aimes bien mon t-shirt? Ben écoute, je trouve qu'il a la classe, ouais. C'est Speedball 2, hein, c'était une autre époque hein, quand même. Et le vendredi, c'est n'importe qui, et là, n'importe qui aujourd'hui, c'est moi, Maëlle. Avec tous nos amis, quoi, comme d'habitude. Yep, yep. Oh, on s'en sort pas de ce 101%.
Aujourd'hui c'est vendredi. Ah, bon début. Aujourd'hui c'est vendredi. En fait, c'est ce que tu sais pas, c'est qu'à 101%, quand tu rates tes lancements, ils les gardent quand même. Ouais. Eh bien non, monsieur Pilot, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la télévision. Évidemment. Comme d'habitude. Salut les gars. C'est 101%, aujourd'hui on est vendredi. Vendredi c'est n'importe qui. Et aujourd'hui c'est moi, Julien. Allez, on y va. On peut dire des connes à l'antenne? C'est quoi ça? On va voir ce que ça donne. Moi je vais aller au bar. Bah mes geeks, mes geekettes, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas vu le temps passer sur ce 101%. Une émission de la joie, de la fête et du pourcent. Non, non, là je m'en vais, hein, cela m'agace. Bonjour à tous, c'est 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est Linsky. Sors de ce plateau, que je le fasse tout seul, que je me retrouve tranquille. Avec des bafouillages, des cafouillages, du merdouillage. Hein, j'espère que on rigolera encore d'autres semaines. Puis des bisous à vous tous, les geeks, les geekettes. Aujourd'hui, c'est 100%. Quel plaisir de vous retrouver, encore toujours fidèle. Normalement, quand Rémi est là, on n'a pas fait souvent, mais on rigole bien. Stop, arrêtez le générique. Aujourd'hui, on a un souvenir... Oh putain! Bon, ok, promis, la prochaine fois que je tourne, je me lave les cheveux et je dors. You are watching 101%. Hit it for us, Martin. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans ce 100% du... Rémi aime bien quand c'est un peu plus long. Alors je vais vous la faire un peu plus longue. Rien que ça, j'ai gagné 10 secondes. Si je compte jusqu'à 12, ça me fait une seconde de plus, donc 13. Bébé! Erreur système. De pas seulement me voir. Je vais fermer la grande gueule pour la 500e du directeur des programmes. Wouh ! Non, maman. Que de responsabilité, mes chers amis, que de responsabilité. Bon, tout à l'heure, je vous l'avais dit, le premier making-of, il était un petit peu tristounet. Mais là, maintenant, c'est la deuxième partie. Vous allez voir que grâce à vous, grâce aux abonnements, tout de suite, ça devient un petit peu mieux. Puis de toute façon, hein, on le sait, hein, dans la vie, il n'y a que l'amour qui compte. Voilà pourquoi je ne travaille plus à No Life. Alors évidemment, malgré tous nos petits soucis, on ne s'est pas tourné les pouces. Hein. Il fallait absolument montrer que No Life était encore vivant et qu'on continue à se battre et à faire des programmes intéressants, comme on fait depuis le début. En fait, il y avait un gros projet d'émission. Et pendant ce temps, la rédac était censée préparer ce truc-là. Bon, après, il s'est passé des choses, hélas, hein, le Tchad, la guerre au Tchad. Et là, j'ai eu une idée super, une émission. Ouais. J'aimerais que tu la fasses avec moi. Oh. Bon, tout ça, on fait que ça n'a pas pu se faire, mais c'était tout de même un vrai plaisir de venir et faire des trucs débiles au milieu de la rédaction de No Life. Eh, hey, mais Davy, mais c'est n'importe quoi! Après, oui, j'aurais bien aimé refaire 101%, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'était pas possible, pas avec des adieux à Japan Expo comme ça, et puis pendant ce temps, la rédac, ça m'a plu aussi, quand même. Et bizarrement, ça prend beaucoup de temps à tourner. 101%, c'était plus rapide à faire, hein, 101% quelque part, que hein, pendant ce temps, la rédac. Mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte, quoi. Je m'en rends compte, j'avais aucune expérience de la télé avant de faire No Life, et là, je m'en rends vraiment compte, au bout de 3 ans, à quel point c'est dur de tenir une émission, en fait. Moi, je comprends les gens qui ont envie de faire un petit break, de faire d'autres choses pour trouver de nouvelles idées, pour retrouver une fraîcheur de trucs, et moi, à mon avis, les gens qui sont partis, on les reverra sur No Life un jour ou l'autre, quoi. まずはDLEのなんだっけキラキラジャポンが来て、そして今年去年の終わりだったかな。 ジャパンモーションが来て、こう本当にノーライフが日本の番組を放送できるようになったっていうのがこの3年目一番嬉しいですね。これは本当ノーライフでノーライフだからできて、私とアレックスとセバスチャンだったから本当にできたことだと思って自信そこはもう自信持ってます。
Et donc pour Autoplay, ben, du coup on se retrouvait avec ben, plus personne pour présenter. J'avais pas particulièrement envie de le faire et Alex me dit oh bah voilà, la devise de No Life, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense être un petit cadeau aussi, c'est un truc qui traînait depuis un an sur mon ordinateur que j'avais toujours pas mis, ça m'énervait. Finalement, bah, vu que j'écrivais déjà l'émission avant, que je préparais tout, que parfois c'était moi qui la montais, bon bah j'ai commencé à présenter. C'est un jeu de catch et de simulation. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec Julien sur Double Face, parce que pour une fois c'était une émission qui traitait de choses vraiment geek entre guillemets et qui n'était pas traitée avant nulle part en télévision. Beaucoup de gens m'écrivent en me disant oui, pourquoi vous avez arrêté Double Face ? Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, mais enfin, clairement, si j'ai un jour l'occasion, je reparlerai de jeux de rôle sur No Life, quoi. Mais sinon, je pense que c'était vraiment la réalisation d'un rêve, quoi. Et puis j'espère qu'on pourra un jour reprendre le flambeau. Alors, pendant les vacances de Noël, donc moi je savais que certaines personnes allaient partir en janvier, on ne l'avait pas encore annoncé à l'antenne, parce qu'on était en rediffusion. Et je savais que donc on n'aurait pas Double Face à la rentrée et qu'on n'aurait pas les émissions de Davy, c'est-à-dire Road Trip en premier lieu et évidemment pendant ce temps à la rédac. Et donc je me disais, bon, il faut absolument, il y a des gens qui sont abonnés, il faut proposer d'autres choses à la place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de laisser un trou et dire, bah voilà, Davy est parti, il n'y a rien quoi. Pareil pour Double Face, il fallait trouver quelque chose. Alors le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Katsuka. Je me suis dit, bah voilà, c'est génial, au moins j'ai un cadre fixé, c'est 6 à 10 minutes toutes les deux semaines, donc du coup je peux. De toute façon, pas faire tout ce que je voulais. Je pouvais pas faire dans 101% des choses trop longues, donc c'est bien, ça m'a cadré donc. Il y avait déjà tellement de choses à faire, tellement de choses à montrer, tout simplement à montrer en fait, en expliquant un tout petit peu que banco quoi, j'étais pour. Marc parle beaucoup, beaucoup, donc du coup pendant les montages ça prend peut-être un peu de temps, mais du coup j'apprends plein de choses sur les réals, tout ça. J'ai fait le doublage du poulpe dans Katsuka qui est P-Cube, et puis le personnage de Tsuka, voilà. Bah, moi le projet sur lequel j'ai le plus aimé travailler c'est Compiler, évidemment, mais c'est l'émission d'Alex et de moi, hein, mais c'est une idée d'Alex. C'est pas une idée de moi, donc comme je dis, c'est un peu l'émission d'Alex et c'est mes textes à moi en fait. L'idée c'était de dire qu'il me voyait raconter tout le temps ce qu'il y a dans Compiler, expliquer aux gens comment ça marche, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. Il avait remarqué c'est que je faisais souvent intervenir l'ordinateur dans mes explications, c'est-à-dire que je disais bah si tu fais ça l'ordinateur il dit bah non je peux pas, donc il t'envoie chier. Et du coup Alex il a dit bah il faut qu'il y ait un ordinateur qui te réponde, et d'où l'idée de Compile. J'aime bien faire Money Shot aussi avec Jonathan parce que c'est son émission, on a un ton un peu différent. Mais le plus gros projet IMAX Disney Digital 3D est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Je voulais faire une émission de cinéma à la base. J'ai réfléchi, je me suis dit qu'en fait moi j'aime bien mater les bandes annonces et fantasmer sur des films. Bah là sur lequel j'adorais travailler c'est No-chan déjà, parce qu'il a fallu que je compose le générique et c'était une toute nouvelle composition pour moi, mélanger chiptune et musique symphonique, tout ça. Ça j'ai adoré faire ça, c'était vraiment très intéressant. C'est quand même le summum de ce qui se fait de pire en news à la télévision française actuelle. C'est absolument incroyable. Je sais, sur les forums, tout le monde dit que c'est pas assez précis, que c'est pas assez hardcore et tout, mais imaginez que c'est à la télévision, quoi. Moi, je pense que la passion est toujours là, en fait. C'est une passion qui est plus ou moins liée à un mode de vie et à un mode de pensée. On aime ce qu'on fait, on a toujours le même message, on a envie de parler de choses qu'on ne voit pas sur d'autres chaînes. Il faut que ça marche, il faut que ça marche, il n'y a pas le choix. 2302 votants, oui, comme ça je vous balance le chiffre, 2302 votants, et c'est étonnant, cette coïncidence, 2302, c'est également le nombre de rapports sexuels que j'ai eu ces 3 dernières années. Bien sûr, je compte aussi tous ceux que j'ai eu seuls. Quelque chose qui caractérise l'équipe de No Life, et je pense, enfin moi que j'ai jamais vu ailleurs, c'est ce mélange de modestie et d'efficacité. C'est-à-dire que la devise, c'est voilà, exigeant avec soi-même et indulgent avec les autres. Et c'est ça le secret, pour que ça marche. Donc là, je viens de finir le texte de 3 minutes pas plus. Aurélien a fait les saisies là tout à l'heure. Là, je vais expliquer tout de suite 3 minutes pas plus avec Mathilde, qui est en phase d'attente, puisqu'elle attend le débat, qui est en cours de préparation. Bon, je vais prendre un exemple tout con, mais dans une autre chaîne de télé, un comédien qui ferait une voix off dirait, se draperait dans sa dignité et dirait « Je refuse de faire ma voix off tant que je n'ai pas le montage. Je ne poserai pas ma voix sur une image noire. Je dois voir sur quoi je parle. C'est important, je suis un comédien, vous voyez ?»
Bah, à No Life, le comédien, il dit pas ça. Il dit, ok, ça va, je connais les jeux vidéo, je vois de quoi tu parles, j'enregistre la voix, et comme ça, on peut faire le montage directement sur la voix. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les autres chaînes, ils font une voix témoin avec le monteur qui lit tout. Ensuite, c'est monté sur la voix témoin, et après, le comédien écoute la voix témoin et redouble ça, quoi. C'est un travail, enfin voilà, nous on va à l'efficacité, parce que les gens sont capables voilà, de cette modestie, de pas se draper dans leur identité d'artiste et de faire des efforts chacun à leur niveau. C'est une chaîne qui est unique, on ne trouve pas le contenu No Life sur d'autres chaînes de télévision actuellement. Une chose qu'on peut voir sur No Life et qu'on peut voir nulle part ailleurs. Benoît. Si j'étais narcissique, je dirais moi, parce que quand même, c'est vraiment une aberration. Alors, je ne peux pas répondre ma bite, malheureusement. La mort d'un animateur, pour de faux, mais sur Facebook, ça devient pour de vrai. Et ça, je pense pas qu'une autre chaîne aurait accepté le risque. C'est plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, on verrait jamais No Life ailleurs, tout court, dans sa globalité. Je crois que ça s'arrête là, c'est quand même un truc de... Enfin, c'est grave, quoi, No Life. C'est difficile de trouver un truc dans la mesure où... Enfin, c'est pas les exemples qui manquent, hein, on est bien d'accord. De toute façon, No Life, c'est du terrorisme télévisuel. C'est montrer des choses qui, sur toutes les autres chaînes de télé, seraient considérées comme segmentantes et risqueraient de faire fuir les gens. Donc, de base, voilà, en partant de ce principe-là, on prend le contre-pied de tout ce qui se fait ailleurs. Et donc, j'ai envie de dire, le plus bel exemple, c'est la J-Music. Une chose qu'on ne verra jamais ailleurs que sur No Life, et ça c'est clair vu le paysage audiovisuel français, hein, ce sont toutes ces merveilleuses émissions qu'on nous fournit, non pas doublées, atrocement, mais sous-titré. Vérifiez bien, à part les documentaires sur d'autres chaînes, enfin voilà, tout s'est doublé. Tout doublé, c'est pas bien le doublage. Si, c'est pour passer les mêmes clips que les 500 autres chaînes, voilà, tout ce qu'on voit partout, mais à quoi bon faire une chaîne de télé de plus? Le truc qu'on peut voir sur No Life et nulle part ailleurs, c'est le jeu vidéo traité tel qu'il est sur la chaîne, c'est-à-dire dans son intégralité, dans sa diversité, et de cette manière-là, c'est-à-dire dans le détail, en fait. Et ça, on le voit nulle part ailleurs. Parce qu'ailleurs, en fait, en télé, t'as des émissions complètes consacrées aux jeux vidéo qui durent un quart d'heure. Donc nous, genre en un quart d'heure, on fait une critique. Donc on a des émissions qui durent une heure et demie. On est libre à ce niveau-là. Bah déjà, notre chaîne, l'équivalent de notre chaîne à la télé, non. Toutes ces news d'Otak, je pense pas qu'on pourrait les passer ailleurs que sur No Life, c'est un truc... Ça serait chez Marcus, parce que comme il dit à chaque fois, c'est génial, parce que sur No Life, on peut dépasser les horaires et on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Je me régale à faire les chez Marcus, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler aux spectateurs quasiment les yeux dans les yeux, comme s'il était là, donc je sais que les gens ressentent cette proximité, puis c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Ah bah, je vois un truc qui passe sur No Life qui ne sera jamais diffusé ailleurs. Parce que No Life est la seule chaîne qui fait des autopromos pour une autre chaîne. Si vous aimez Road Trip, regardez tous les samedis à midi. Putain, David, qu'est-ce que tu fous? Alors ça me fait à chaque fois que je suis chez moi et que je le vois, je me dis juste, c'est magique parce que jamais ça arriverait ailleurs. Le principe même de faire une émission telle que Hall of Shame, voilà, je pense que ça serait pas passé ailleurs et ça c'est génial. Et puis bon, je parle même pas de tous les délires qu'ont fait Benoît, David dans les 100%. Ils sont hallucinants et qu'on n'aurait jamais pu voir ailleurs, hein, c'est évident. Moi j'ai envie de dire debug mode, mais c'est peut-être... Parce qu'il y a eu des making-of comme ça, mais qui rentrent vraiment dans la vie de la chaîne et tout, pas tant que ça en fait. Des animateurs très très décontractés dans 100% par exemple, qui limite, voilà, parlent de manière très décontractée. Souvent tu vois des animateurs qui disent « Non, moi je me regarde pas, rien. » Non, mais c'est compliqué de voir sa gueule. Déjà que j'ai du mal à me supporter le matin, alors je vois pas pourquoi je me supporterais le soir dans 100%. Moi, tous les dimanches soirs à 22h30, je suis fucking devant ma télévision. Je me regarde et je me fais kiffer. Ah non, non, 18+. En même temps, 4e anniversaire, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Il y a aussi tellement de gens qui nous ont aidés qui sont pas dans ce making-of. Hein. Dans ce making-of, vous voyez en gros les gens qui sont passés à No Life sur les 2-3 derniers jours. Si on prend toute l'équipe des gens qui font les animes, toutes les mini-séries, tous les gens qui sont loin, par exemple Macha qui habite à Lyon, tous ceux qui font des choses pour No Life et qui sont pas dans ce making-of, mais je les remercie beaucoup aussi. Je suis pas sûr de pas bientôt être à la retraite. Hein. やっと3年になりました。これからもどんどんどんどんおじいちゃんおばあちゃんになるまで
今度の誕生日こと過ごしていきたいと思うので皆さんよろしくお願いします。アボネブありがとうございます。Merci Sengen, tu peux reprendre l'électricité. Merci. Ah, c'est pas super confortable sous le bureau quand même là. En fait. À l'huile, j'ai gagné. Raph, en 2010, No Life fête ses 3 ans. Super, et alors? Dans le futur, il continue à émettre, ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de compter les anniversaires. Ah, attends, il faut que je te laisse, il y a 101% qui commence. Bon, allez, c'est ça. No Life fête ses 3 ans. C'était sûrement avant qu'il rachète Game One, ça. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Quand on quitte No Life, il y a un truc qu'on est obligé de regretter, et c'est Caro. Parce que Caro, elle est sympa avec tout le monde, surtout avec les hommes, elle est super sympa. Caro, merci quoi. Merci, je ne t'oublierai jamais dans ce couloir à Japan Expo. Jamais. Bref, maintenant, c'est Caro qui revient sur 3 ans de G-Music. Vous connaissez Otto. Enfin, moi, j'aime pas la G-Music, donc Otto, quand je regarde, je coupe le son et je mets la musique de Baywatch en fond. Donc là, maintenant, c'est Caro qui parle de G-Music. Et si ça vous emmerde, la G-Music, faites comme moi. Vous coupez le son et vous mettez le générique d'Alerte à Malibu en boucle. Promis, c'est une expérience. Caroline, alors est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à No Life ? Alors mon arrivée à No Life, c'est un peu et le destin et la chance, mais surtout la chance évidemment, car j'étais donc dans ma fac de japonais et là j'ai rencontré Mathieu Rochefeuille qui faisait également du japonais, mais lui ça n'a pas duré très longtemps et il m'a parlé comme ça d'un projet où on aurait peut-être besoin de moi parce qu'évidemment moi je faisais ma promo à moi je faisais déjà une petite émission sur la musique japonaise sur une web radio. Alors je crois qu'à l'époque No Life n'avait pas encore commencé, il hein, faut non, l'expliquer. Non, c'était en précisément février 2007. Il m'avait bien teasé durant tout le mois de janvier en me disant écoute, je peux rien te promettre mais faudra peut-être que je te parle un moment et tout. Je me disais oh, ça m'intéresse, mais on m'avait déjà fait des fausses joies avant, donc là je me disais bon, je le prends comme ça. Et là quand je suis arrivée, déjà j'étais préparée parce que je crois qu'il y avait déjà les vidéos sur la page No Life avec les petits teasers. Oui. Je crois qu'il y en avait déjà quelques-uns. Ouais. Du coup, je me disais, car rencontrer Alex Pilote et Sébastien Ruchet, en fait, pour moi, c'était un truc de fou à l'époque, hein, à l'époque évidemment. Bien sûr, tu ne l'as pas dit. Hein. Bah non, je ne l'ai pas dit à l'entretien. Il ne faut pas non plus exagérer. J'ai essayé de rester à peu près pro et de faire très calmement. Oui, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Et après, on a testé ce que je donnais à la caméra. Et donc oui, un casting, quoi. Voilà, un casting, exactement. Et là, c'était Fred, donc qui m'a cassé et qui me reprenait toutes les 5 secondes parce que mon articulation, ça n'allait pas du tout. C'était n'importe quoi et du coup, j'étais trop en panique. Et bah moi, j'ai juste refait mon émission de radio en fait, version télé et vous m'avez dit que ça passait, donc c'était cool, mais il fallait revoir l'articulation. Alors j'aimerais que plus globalement, sans parler spécialement d'Otto, que tu nous parles de la situation de la musique japonaise à cette époque. C'était quoi la musique japonaise en France à ce moment-là, au niveau sortie, concert, qui y avait dans le milieu de marché, comment ça fonctionnait? En 2007, la musique japonaise, j'ai presque envie de dire que c'était le néant, mais c'est faux. Parce qu'évidemment, il y avait déjà des artistes qui venaient, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que maintenant. Il y avait des CD qui sortaient, mais c'était pas la même quantité qu'on peut avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a carrément des rayons dans certains magasins consacrés à ça, quoi. Et en 2007, il n'y avait pas ça du tout. Donc on a fait un gros pas en avant, quoi. Et les gros concerts en 2007, pour toi, c'était quoi? Olivia. Le gros concert en 2007, pour moi, c'était Olivia, parce que c'était, entre guillemets, une artiste un petit peu commerciale, dans le sens où au Japon, elle avait quand même une promo par rapport à l'anime Nana, et que pas mal de Japonais pouvaient la connaître à travers ça, donc c'était un gros artiste. Et moi, c'était l'un de mes premiers concerts de J-Music en France, en fait. Donc, un gros souvenir, ma première interview, c'était Olivia. Donc, tout à fait, donc c'était à la terrasse d'un café.
Oui. T'étais très stressée. J'étais hyper stressée. J'avais grave les cheveux collés. J'étais là. Bon, j'ai fait une grosse interview qui fait 4 pages. Est-ce que ce sera assez? Car évidemment, je ne me rendais pas compte non plus du format télé. Moi, j'étais habituée aux interviews qu'on voit sur les sites. Donc, il y a plein de questions. Tu lis ça en 3 heures. Et je pense aussi que c'était ta première expérience en tant que réalisatrice, vu que tu réalisais le sujet. C'est-à-dire que Tu as écrit le texte, tu as réalisé aussi. Tu as supervisé le montage avec Rémi. Ou je sais plus qui a monté. Non, Mathieu Rochefeuille. Avec Mathieu, d'accord. Ouais. Donc, alors, comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai que le live report de Olivia, c'était mon premier sujet en tant que réalisatrice de petits reportages comme ça. J'avais les chocottes, mais en même temps, j'étais super sûre de moi parce que je te l'avais dit, c'est bizarre, mais j'en avais rêvé du reportage. J'avais rêvé que je mettais ce passage-là, cet endroit-là, et qu'à ce moment-là, je disais ça. Et en fait, les trucs se sont enchaînés super facilement, peut-être parce que c'était le premier, je sais pas. Et Mathieu Rochefeuille, il m'a vachement guidée aussi, car c'est avec lui que donc je réalisais ce petit live report qui est mon premier live report. Et j'y tiens en fait énormément, et puis il était beau quand même, on avait des belles images déjà. Pendant ce temps, pendant qu'il y a des concerts, des labels japonais, il y a No Life aussi qui diffuse pour la première fois de la musique japonaise. Alors, qu'est-ce que ça te faisait à cette époque de te dire, ben voilà, il y a de la musique japonaise à la télé et j'en fais partie quelque part. C'était quand même, c'est important parce que c'est ça qui va faire découvrir forcément à beaucoup de personnes qui connaissent pas encore. Alors, les premiers artistes qu'on avait, ils n'étaient pas très très nombreux, mais parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, justement, on pouvait plus facilement accrocher ou plus facilement en avoir marre. Personnellement, j'ai vachement accroché sur Oral Vampire, que je connaissais pas du tout à l'époque, puisqu'effectivement, peu de gens les connaissaient. J'ai vachement accroché aussi, Shimatani Hitomi, je connaissais d'avant. Pour moi, le label Evex, c'est un label hyper important, puisque je suis une grosse fan de Hamasaki Ayumi. Donc, indirectement, les artistes qui viennent de ce label me plaisent déjà un peu, de base. Et Shimatani Hitomi, c'est une artiste que j'adorais, donc je l'ai vu arriver sur No Life. Je pense que les oreilles de pas mal de gens s'en souviennent, quoi. J'ai poussé des cris, là ma fangirl s'est réveillée. Donc au début de No Life, quel était ton rapport avec les spectateurs par rapport à la J-Musique? Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, en fait, lors des premières conventions, quand No Life est né, il y avait quand même peu de gens qui venaient me voir en me disant ou j'adore ce que tu fais, ou c'est grâce à toi que j'ai découvert la J-Musique, car c'est des trucs que j'entends beaucoup aujourd'hui en fait. Mais j'avoue qu'au départ, évidemment, j'entendais pas trop ça, c'était plutôt « Et tu fais quoi sur la chaîne? Qui es-tu vraiment en fait ?» Car évidemment, il n'y avait pas trop... Enfin, ça restait encore un truc un peu nouveau. Mais je pense que justement, maintenant, c'est devenu un truc auquel les gens sont habitués, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou même qu'on ne regarde pas. On sait qu'il y a de la J-Musique sur nos lives, on sait que ça existe. Et... c'est vrai que je me dis que c'est incroyable. Je me rends compte vraiment que justement, je rencontre les téléspectateurs. Je me rends pas compte quand on est ici entre nous. Mais quand les gens, je les vois et qu'ils me disent « C'est grâce à toi que maintenant j'écoute de la musique japonaise » ou « Merci de m'avoir fait découvrir cet artiste, je connaissais pas du tout ». Enfin, c'est là qu'on se rend compte de l'impact que ça a sur les gens et justement sur le fait de pouvoir diffuser en fait cette musique, cette culture qu'on aime tant. En fait, à la base, ce que moi je voulais faire dans Auto, c'était pas forcément faire découvrir la musique que j'aime moi ou la musique que les gens qui regardent de toute façon aiment, mais c'était la musique que les Japonais, eux, au Japon, en tant que Japonais, écoutent et aiment. Car, oui, bah justement, là-dessus, je voulais rebondir. C'est vrai que c'est important, tu as toujours défendu le fait que Otto se parle de la musique japonaise au Japon, même si on n'a pas toujours les clips. Donc dans ce cas-là, on se contente d'une pauvre jaquette de CD. Qui tourne, ouais. Soyons clairs, c'est pas quelque chose de très télévisuel. Donc, ouais. A priori, on aurait plutôt tendance à parler uniquement des artistes qui sont en France. Surtout que, avec ton émission, ça permet aux spectateurs de prendre conscience du nombre de musiques qu'on n'a pas réussi à avoir sur No Life. Donc, c'est aussi une émission qui met en valeur la faiblesse de No Life. Mais malgré tout, c'est quand même bien de le faire, même si ça ne nous met pas forcément en valeur. C'est quand même bien d'être honnête avec le spectateur et je pense que c'est important que les gens, à travers ton émission, aient une petite lucarne comme ça sur le Japon et se disent à un instant T, ah tiens, il y a ça qui marche en ce moment. Oui, mais c'est vraiment pour ça que moi j'y tiens en fait, par exemple, ne serait-ce qu'au petit top 5 des singles, parce que ça met vraiment l'accent sur ce que... Si on va au Japon, je suis un spectateur lambda, je vais au Japon, je vais être... mais fusillé par les affiches publicitaires, il y aura ces artistes-là dont j'ai parlé dans l'émission, parce que c'est ceux-là que les Japonais, qui ne s'intéressent pas plus que ça à la musique, bah, ils vont voir, ils vont connaître, même de noms, s'ils n'écoutent pas, on se balade dans la rue au Japon, on a de la musique tout le temps dans les oreilles. Moi, il y a des chansons, quand je suis allée au Japon l'été dernier, mais
Je voulais pas les connaître par cœur, mais j'ai pas eu le choix. Donc c'est vraiment pour ça, parce que je voudrais que... Moi, je suis fan de la culture japonaise. Et donc, c'est un peu pour les faire rentrer dedans, parce que la musique, ça fait partie de cette culture. Je suis assez d'accord, effectivement. Le plaisir d'arriver au Japon en n'étant pas complètement paumé, en se disant, tiens, ah mais ça, je connais. Ouais. J'ai entendu parler par-ci ou par-ça. C'est déjà mettre un pied dedans. Ah, et se sentir plus à l'aise, se sentir quelque part en terrain déjà un peu connu. Mmh. Et ça, c'est vachement important. Voilà, ben, je pense pareil. En 3 ans, il y a eu quand même pas mal de concerts, pas mal d'événements. Alors évidemment, un des concerts qui m'a le plus marqué, c'est l'Arc-en-Ciel. Parce que l'Arc-en-Ciel, c'est le gros groupe en major, hyper important. On va dire avec Ex-Japan, c'est peut-être le plus connu en France. Ouais, je pense que de tous ceux qui écoutent de la musique japonaise, c'était le groupe avec Ex-Japan, mais bon là, c'est plus compliqué. Mais l'Arc-en-Ciel est venu. Ils sont venus en France, ils ont fait un Zénith. Et un DVD. Et un DVD live d'ailleurs qui est sorti aussi en France. Et ça, c'est énorme. Je me dis, mais est-ce que j'aurais pu imaginer un truc pareil en 2007? Là, on va bientôt avoir les mornings. C'est aussi, ça semblait inimaginable. Alors, il y a 10 ans. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que les mornings, j'ai halluciné. Moi, j'étais absolument pas au courant du truc. Je l'ai appris avec la diffusion en bas de l'info sur Internet. Et j'ai fait... Oh mon Dieu, moi, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, ah, le truc énorme, quoi. Ça y est, elles arrivent. Car bon, c'est vrai qu'il y avait l'émission Ami Idol, et rien que déjà d'avoir cette émission, je trouvais que c'était dingue. Je trouve qu'on a fait des pas, des grands pas, et mine de rien relativement vite si on pense vraiment à l'histoire de la chaîne, quoi. Car ça fait que 3 ans, et je trouve qu'on a été capable de faire des trucs de fou. Et je me dis, s'il n'y avait pas eu No Life, s'il n'y avait pas eu Ami Idol, est-ce qu'il y aurait vraiment eu les Morning Musume cette année à Japan Expo? Alors je dis pas que c'est que grâce à nous, mais ça peut pas... Moi ça reste dans ma tête, c'est évident que... On est acteurs de cet événement, en fait. On n'est pas les principaux acteurs parce qu'il y a plein de trucs qui ont joué. Mais c'est évident qu'on a apporté notre pierre, en fait, à ça. Ça fait 3 ans qu'on diffuse de la J-Music. Et malgré tous les artistes différents qui ont été diffusés sur l'antenne, il y a toujours autant de personnes qui disent détester ça. Et souvent, surtout dans les périodes un peu compliquées de nos lives, on est obligé de fonctionner avec des abonnements, se servent de ça en disant « Oui, si vous ne passiez pas de J-Music, moi je m'abonnerais par exemple. » Des gens qui font pression. Ce qui en soi n'est pas très logique, puisque dans ce qu'on peut avoir avec l'abonnement, il n'y a pas de J-Music. En tout cas, on a beaucoup de discours qui disent, de gens qui vont nous dire « Bon ben, votre chaîne, elle marche pas terrible, enlevez la J-Music et mettez du jeu vidéo, ça marchera mieux. » Mais déjà, c'est pas ce qu'on veut faire. Et ensuite, est-ce que ça te rappelle pas un peu les dessins animés japonais Alors, il y a 10 ans, ouais. Quand tout le monde disait, mais c'était la pensée dominante, tout le monde disait c'est de la merde, c'est trop mal fait, c'est horrible, ça devrait pas exister, et ceux qui aiment ça sont bêtes. Je pense que chacun a sa façon de voir les choses, parce que moi, par exemple, les Mini Moni, ou même les Morning Musume tout court, en fait, moi j'ai eu du mal, parce que en fait, c'est un peu une question d'éducation aussi, c'est con, mais. Et en fait, après, tu te fais un petit peu à tout. Quand c'est arrivé sur No Life, à force de regarder, avec Manu qui m'expliquait comment ça marchait les Morning Musume, parce que c'est un sacré concept derrière. C'est bête, tu vois, mais... T'as commencé à rentrer dans le trip, quoi. Exactement. On s'intéresse un peu, on est un peu curieux, on essaie de comprendre. Et une fois qu'on comprend, c'est plus facile d'accepter ou de dire... Je pense que ce qu'on peut dire, tout à fait, enfin, qu'il n'y a pas que la musique, ça c'est clair, il y a tout le background derrière. Ouais. Et que quand on écoute un artiste en France, on sait d'où il vient. Bon, lui, il vient de la Starac. Ah, ça c'est Gainsbourg, c'est respectable. On sait exactement, chaque morceau qu'on entend à la radio, on sait d'où ça vient, on sait qui chante. Alors que quand on regarde No Life avec les clips japonais, on ne sait rien. On est dans une piscine comme ça d'images et de sons dont on ne comprend rien et dont on ne connaît pas l'origine. On essaie de communiquer des infos à travers les émissions, voilà, justement, parce que les gens connaissent. Peut-être qu'il y a une saturation d'infos, justement, avec des noms difficiles à comprendre, les noms des artistes, les noms des clips. C'est difficile à retenir et on balance plein de trucs d'un coup. Et au final, je pense que c'est l'attitude de toute la chaîne, c'est qu'on sait qu'on ne va pas convaincre tout le monde. Donc, à un moment donné, on n'a pas envie d'expliquer à chaque clip pourquoi c'est génial, quoi. À un moment donné, on se dit, on donne, et puis s'ils n'aiment pas, tant pis, quoi. Parce qu'on peut pas non plus. On n'a pas besoin d'expliquer. Je veux dire, Zebra Queen n'explique rien. C'est là. C'est dans le clip. Momoko, il n'y a pas besoin d'expliquer. Momoko. Nous, ça nous fait rire au second degré de passer des musiques, on va dire, de qualité discutable. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce second degré. Et qui pensent que c'est du premier degré, voilà. Et ils disent, ah d'accord, ils diffusent ça. Oh, oh, we're in trouble. Something's going on. Gonna
Je sais que c'est de bon ton de dire que la musique, quelle que soit l'origine, c'est la même. Et je pense pas. Je pense que malgré tout, les gens ont un passif. Ils sont nés dans un pays, ils ont reçu telle éducation, ils ont telle culture. Et même si c'est du rock, ce sera pas exactement comme du rock américain. Mais oui, ils comme ont leur petite touche à eux, quoi. Ils ont leur truc. Mais ça, c'est terrible parce que même quand ils font des reprises, parce que ça arrive souvent qu'ils fassent des reprises de trucs américains, puisque bah, le Japon, c'est un peu un pays comme l'autre avec beaucoup de... Il y en a quand même moins au Japon, mais la musique américaine, c'est quelque chose qui s'écoute au Japon. Et alors pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas de la musique japonaise? Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un style de musique qui passe bien partout et pourquoi les autres y passeraient pas? Pourquoi est-ce que ce serait... Ah ben non, c'est bizarre là, pourquoi est-ce que je dois écouter ça? Oui, surtout qu'en France, on peut écouter aussi de la musique italienne, de la musique espagnole... De la musique arabe, du rail, enfin, il y a tellement de styles. Du rock allemand. Oui, du rock allemand aussi, tout à fait. Il y a beaucoup de styles, alors pourquoi pas de la musique japonaise, quoi? Pourquoi cracher dessus? Parce que c'est vrai que j'ai eu droit à pas mal de trucs. Souvent, c'est bizarre. Au-delà de la musicalité, c'est et souvent l'image. Quelque part, est-ce que les gens qui aiment la musique japonaise ne recherchent pas ça, cette le côté bizarre. Le côté bizarre et le côté décalé. C'est-à-dire, voilà, moi je n'écoute pas comme vous. C'est quelque chose que les Français en général aiment bien, montrer leurs différences. Et dire, voilà, on l'entend souvent. Moi je ne suis pas un mouton, je ne vais pas acheter le CD à la mode qui est premier au top 50. Je vais plutôt acheter le CD en import des Morning Musume. Parce que je vais ainsi affirmer mon identité comme quelqu'un de différent. Bah, figure-toi que... Je sais plus, là, il y a 7 ans, quand je traînais beaucoup sur les forums de J-Music, il y avait des gens... Enfin, moi, j'étais pour, tu vois, la diffusion de la J-Music. Je voulais bosser dans un domaine qui puisse me permettre de ramener ça en France et de faire connaître ça à un maximum de gens. J'avais déjà ce but-là avant. Et il y avait plein de gens qui me disaient mais ça va pas et tout. Il faut que ça reste notre truc à nous, tu comprends. Nous, on n'est pas comme les autres, on est différents. Il faut que ça reste un truc d'initié, tu comprends. Je sais, bah... Pourquoi? Et du coup, je comprends toujours pas ce concept de garder ça pour soi. Parce que quelque part, c'est perdre son identité, enfin, c'est perdre ce qui faisait leur notre spécificité. Si tout le monde connaît, ben, on n'est plus différent des autres. On n'a plus de. Bah, je suis sûre que parmi ces gens qui disaient ça, je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des gens, bah, ils écoutent plus de J-Music parce qu'ils disent non, je vais faire mon mouton. Maintenant, il y a trop de gens qui en écoutent. Alors que toi, t'es parti en mission sacrée. Moi, je suis partie avec ma quête et tout, la croix. C'est parti, on avance, les enfants. Ouais, non, c'est chacun sa manière de voir les choses et de la vivre, en fait. Hein. Merci, Caroline. Merci. Mais de rien, c'était gentil. J'enlève le micro qui est en dessous. Ok. L'année dernière, No Life n'était pas la même. Et c'est vrai que pour les 2 ans, on avait fait un clip un petit peu humoristique. On avait fait une chanson. Bon, c'est vrai que cette année, il y a un petit peu moins de temps de mon côté. Un petit peu moins de moyens, mais j'avais quand même envie qu'il y ait une chanson, parce que je sais pas, moi je me reconnais dans la chanson, on dit en France, tout finit par des chansons, alors j'espère que le public va apprécier, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord, mais j'espère que ça va vous faire loler un brin. 1, 2, 3, 4... À No Life, on n'a pas de thunes, mais on a des burnes. On s'accroche son pied bon pour faire nos émissions. Y'a du jeu vidéo, des clips originaux. Ça part du Japon, car c'est notre passion. À No Life, on n'a pas de thunes, mais on a des burnes. On ira jusqu'au bout, tant que vous serez avec nous. Ouais, ouais, ouais. And the science gets done, and you make a neat plan for the people who are still alive. Je ne sais pas quoi dire après une telle musique. C'est pour ça que je t'offre ce jeu de mots, José. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Maintenant, c'est Julien Pirou avec la Minute du Geek qui revient sur tous les logiciels qui ont été créés spécialement pour No Life. Papoum, c'est quoi No Life Logo Life. Logo Life. Logo Life. Tout ça, on va en savoir plus grâce à Julien Pirou. Et juste après, c'est la suite des 101%. Et oui, parce qu'après, il y en a eu plein quand même. Un an de 101%, c'est quasiment un 101% tous les jours. Sauf les week-ends et les jours fériés. Ah si, les jours fériés, on fait aussi. Qu'est-ce qui travaille d'arrache-pied à No Life? Mais tu travailles plus. Mais moi, j'y travaille plus. Hein. Voilà, t'as oublié de... Ah ouais, j'ai oublié. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection !
Cela fait aujourd'hui 3 ans que No Life continue son petit bonhomme de chemin contre vents et marées, et une partie de ce chemin n'aurait sans doute pas été possible sans divers logiciels inédits créés spécialement pour No Life par des membres du staff ou des amis de la chaîne. Le plus connu de ces logiciels est sans aucun doute Marvin. C'est Sébastien Ruchet, le directeur de No Life, qui a créé ce programme pour fabriquer des playlists aléatoires, comme par exemple pour les plages de clips. Ce programme a été surnommé Marvin car l'équipe trouvait qu'il choisissait toujours des clips dépressifs, Marvin étant bien sûr le nom de l'androïde paranoïde dans le Guide Galactique de Douglas Adams. A noter qu'il n'existe pas de version indépendante de ce programme. Seb est sans cesse en train de le bidouiller sur son PC, et donc la version 1.0 de Marvin se fait toujours attendre. Ensuite, il y a LogoLife. C'est Pixel Phil, un téléspectateur de la chaîne, qui a programmé ce petit bijou après avoir découvert dans Debug Mode qu'on galérait grave pour faire le logo NoLife qui progresse, vous savez, dans les logiciels de montage vidéo à la main. Il a donc décidé de faire ce logiciel pour nous faciliter la vie. C'est ce soft qui pose tous les logos et ajoute les habillages de clips à la volée, pendant la compression. Pour l'anecdote, Pixel Phil est un ancien de Quantic Dream, il a notamment travaillé sur les effets spéciaux aquatiques dans Heavy Rain, un grand merci à lui et un respect infini. Ensuite, il y a Papoom. Ce logiciel au nom farfelu a été programmé et baptisé par Cyril Lambin. Au départ, il servait surtout à faciliter la vie d'Alex, qui faisait les playlists en lui permettant de simuler la diffusion et ainsi de détecter les fichiers vidéo offline, c'est-à-dire absents du serveur de diffusion. Ce logiciel est finalement devenu beaucoup plus important puisqu'il a repris les données de Marvin et est utilisé quotidiennement par une grande partie de l'équipe. Il faut savoir qu'avant, lorsqu'Alex faisait les playlists, il entrait manuellement les noms des vidéos dans un fichier texte enregistré au format M3U. Par exemple, cette minute du geek porte en fait le nom MGS7S22N126.ts pour saison 7, semaine 22, 126e émission. Grâce à Papoom, Alex peut voir en un seul coup d'œil ce qui se cache derrière un nom de fichier, la durée de l'émission, si la vidéo est online et ainsi de suite. Autant dire que ça lui a changé la vie. En prévision de l'arrivée, un jour, d'une nouvelle régie de diffusion, il semblerait que Cyril Lambin soit au travail sur Shin Papoom. Mais chut. Le logiciel suivant est AutoMegi. C'est un logiciel de compression automatisée inspiré du logiciel open source Megi. Le nom est un jeu de mots entre auto, comme dans automatique, et Megi. Mais est écrit Otome, jeune fille en japonais, et Gi qui signifie batifolage. Enfin, le dernier logiciel de No Life, ou plutôt les derniers logiciels, ce sont les multiples versions de NoAir que vous, les téléspectateurs, avez créées pour exploiter les données de diffusion de No Life qui sont remises à jour plusieurs fois par jour dans un fichier XML. Salut tout le monde, c'est le premier son important de 2010, c'est aussi le premier son important de la saison 7 de No Life. Oui, parce que nous on compte les saisons en fait de vacances à vacances, parce que sinon c'est vrai qu'on n'est pas sûr de terminer la saison. Ah super, 505ème de 101%, sans dévi moyen. C'est clair pourtant. Coin, 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 coin. Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes. Bonjour et bienvenue donc dans ce 101% du mercredi, hein, 101%. Une fois de plus extrêmement consensuel. Ça fait beaucoup rire ma grand-mère. Salut les cocos, salut les coquettes. C'est bon ça comme entrée. C'est un jardin extraordinaire. Salut bande de No Life. Moi j'ai la patate. Grâce à la magie de la télévision. Il ne s'agit pas bien sûr d'évoquer les ressorts humoristiques de façon exhaustive, bien que leur nombre quand même suffirait à meubler 2 ou 3 saisons de 101%, une fois bien délayées et illustrées de sublimes exemples. Hein. Figure-toi que le méchant... Non, je me figure pas. Je suis une fille, donc je ne comprends pas. Salut les mecs, salut les mèches, m'en voulez pas, c'est la blague à la José du jour. Bon, là maintenant, tu me crois. J'ai encore du mal. Oui, c'est pas drôle, en fait. Non, non, t'as vu, hein, c'est chiant. Hein. Je pense que vous pouvez pas tous comprendre. Oh, on peut peut-être le refaire vite fait, discrètement. Soyons fous, soyons whiz. En fait, ce Conan, il en a qu'un seul de secret, c'est que... il est tout nu. C'est normal, parce qu'il est tout nu, s'il met rien. Je suis passé devant No Life, il y avait de la lumière, je suis rentré. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Oui, je l'ai eu. On doute pas qu'on vous a gentiment rappelé, ou pas, que vous avez merdé, hein. C'est un raté. Suzuka prétexte. Alors, hop, bon, on va... Non. Bah, effectivement, c'est un peu capillotracté, comme on dit, mais y a pire. Bah, t'as peut-être raison, Pili, il faut peut-être qu'on revoie un peu notre manière de communiquer. Bah oui,
Bon, moi, je pensais que les gens, ils s'en rendaient compte tout seuls que c'était intéressant. Non, mais il faut toujours les aider. Les goûts, les couleurs, hein. En même temps, si on argumente. Faut qu'on fasse quelque chose, alors... Peut-être des bandes annonces un peu qu'on passerait toute la journée pour dire aux gens que la J-Music c'est génial, c'est par exemple. J-Music, c'est la musique de tous les passionnés de manga qui aiment les mangas. Arrête-moi si je me trompe, mais je pense que t'aimes bien faire du sound design. Ah oui, j'aime bien faire du sound design. Et la flèche autour de toi là, c'est toi aussi non? C'est ta signature? C'est moi aussi, ouais. D'ailleurs, j'ai un peu galéré parce que c'est un peu abstrait. Y a beaucoup... Les habillages c'est souvent assez abstrait, donc on se dit, est-ce qu'on est dans ce que le mec qui a fait le graphisme voulait à peu près quoi? Bon, à chaque fois, je lui montre de toute façon et il est content, donc c'est cool. Mais tu sais, non, j'ai diffusé un peu la bande-annonce que tu m'as aidé à faire là, sur la J-Music. Ah oui, je te l'ai dit. Et ça a cartonné, quoi. Ah, ça m'étonne pas. Il y a plein de gens qui n'aimaient pas la J-Music et depuis qu'on leur met une bande-annonce, on leur dit que c'est génial, maintenant ils aiment la J-Music. Ah, ouais, de toute façon, hein, ça c'est toujours pareil, hein, suffit d'appliquer la recette. Ouh. Oh putain, les mecs, bravo. Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes... Bonjour, bienvenue dans 101%. Donc... Un 101% du lundi qui se fait un week-end où on s'est bien reposé et où on est tous bien en forme. Action. Ha, c'est pas mal ça, non? Kinyo no Shikai wa Nampol Toki, Shikai no Season 51 desu. Ce bec est trop balèze parce que regardez bien. Il y a deux endroits pour regarder nos lives chez lui sans même bouger son cul. Hop. Moi je vous dis, c'est lui le maître. Salut les geeks et salut les geekettes. Bonjour et bienvenue dans un 101% exceptionnel. Ça sentirait pas un peu le macaron? Je vous accueille chaleureusement aujourd'hui en vous annonçant un truc absolument génial. Est-ce que je peux être dans les deux? Oui. Alors, non, ce n'est pas possible. Vous avez bien trop fumé. Ah, le scrolling, c'est pas un truc d'escroc? Non, ça t'a pas plu, ça. Aïe, aïe, aïe. Où est-il, passé? Où est-il? Il est parti là-bas. Alors, il était là, il a fait une chose. Oh, oui, c'est ça. Toi, tu vas là, et tu fais ça. Toi, tu vas là, et après, tu fais ça. Eh bien non, mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes, je n'ai pas disparu. Le meilleur jeu du monde, c'est où est Benoît? Donc, je vous propose une nouvelle partie, une nouvelle manche. Donc, où est Benoît? Où est Benoît? Où est Benoît? Monsieur Sébastien Rocher, bonjour. Ne pensez-vous pas que les jeux vidéo ont une influence néfaste sur les jeunes d'aujourd'hui? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais les gamers ne sont pas tous des psychopathes. Si vous essayez vous aussi de jouer à ces jeux dits violents, vous comprendriez tout de suite pourquoi. Alors c'est bien gentil, mais Sébastien Rucher, il a absolument pas dit ce que je voulais ici, là. Et ce n'est pas grave! Ne pensez-vous pas que les jeux vidéo ont une influence néfaste sur les jeunes d'aujourd'hui? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Les gamers sont tous des psychopathes. Si vous essayez vous aussi de jouer à ces jeux violents, vous comprendriez tout de suite pourquoi. Bonjour et bienvenue dans 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est moi, Baby Punk. Pourquoi à Tokyo, voit-on énormément de gens porter un masque sur le visage? Masque wa virus wo... から出さないのと、あとよそからもらわない。そして花粉が飛んでるのを防ぐって効果があります。Bon, c'est assez décevant finalement cette histoire de masque au Japon. Non, ce serait plus drôle si c'était du gaz sarin ou alors une pollution inconnue ou une nouvelle forme de grippe ou un truc comme ça. Pourquoi à Tokyo voit-on énormément de gens porter un masque sur le visage? Le masque est porté en cas d'attaque au gaz sarin, mais aussi pour se protéger des nouvelles formes de grippe mortelle dues au réchauffement climatique. Ha ! Attendez, je vous le rapproche. J'ai les deux dessus. C'est bon, vous la... Ah, elle est où? Elle est là. Vous la voyez bien? Ah. Aurélien, pensez-vous enfin que les jeux vidéo ont trouvé leur lettre de noblesse aujourd'hui? Oui, et je trouve ça super. Aurélien fait une sacrée erreur, là. Il a pas du tout repris l'intitulé de la question. On voit bien que c'est un débutant. Alors maintenant, juste en changeant ma question, je peux lui faire dire n'importe quoi. Savez-vous que dans le jeu Street Fighter 4, on peut battre des femmes? Oui, et je trouve ça super. Mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes. Kinyo no Shikai wa Nampol Toki. Shikai no Uniqlo Sanada desu. Je suis un nanar geek. Salut tout le monde, bienvenue dans le 101% du mardi. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans notre plateau habituel à Paris. On est carrément à Casablanca. Parce que figurez-vous, je suis bloqué au Maroc. Est-ce que vous savez le rapport qu'il y a entre Yves Montand et le sujet de la minute du geek d'aujourd'hui? Non. Eh bien, c'est la bicyclette. Puisque Yves Montand, il a chanté « Eh, bicyclette !» et que Julien Pirou, il va parler de Willow. Willow. Le Willow. Julien Pirou, il va faire du Willow.
Salut tout le monde et bienvenue dans le 101% marocain numéro 2. On est toujours bloqué, comme vous le constatez, à Casablanca. C'est formidable, on s'en plaint de moins en moins finalement. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi. Et comme vous le savez, le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, bah, c'est nous. Je cherche mon caleçon et je me retrouve juste après parce qu'il faut bien changer après une semaine et demie de déboire. C'est génial, j'ai un micro, on n'est même pas obligé de me sous-titrer, tout le monde est content, à No Life, ça leur fait du boulot en moins. Peut-être que je prendrai mon auto pour aller en scooter. Non, je prendrai mon scooter pour présenter auto. Voilà, c'était ça la vanne, c'est couillon, j'aurais pu la faire mieux. Bon, bah voilà, comme vous le savez, le vendredi c'est n'importe qui, aujourd'hui c'est moi, Guillaume. Heureusement, ces news qui étaient lyriques ont pourtant été fantastiques. Je continue dans la rime. C'est normal, les rimes en hic, ça me donne la... Bienvenue dans ce 101%. C'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que... C'est incroyable comme le Maroc, ça tape hein, quand même, je pèle dans tous les sens. Ah pardon. Oh. Eh ben bonjour à tous, bienvenue dans 101%. C'est le lundi. Ha. Tu te souviens de la fois où t'as dit aux gens, pour gagner les pochettes et le cali, surtout faut pas m'envoyer de mail? Ouais. C'est de la torture psychologique et ils devenaient fous les gens. Ils disent, mais si j'envoie pas de mail, je gagnerai jamais. Mais si j'envoie un mail, je suis disqualifié. Exactement. Mais oui, mais ça c'était drôle, hein. C'était cruel, hein. On voit que c'était pas mon idée à moi. Oui, mais moi ça me faisait rire quand t'arrivais et que je fais, oh merci, vous avez été des milliards à ne pas m'écrire. Et c'était vrai, c'était voilà. Vrai. Hein. On n'a jamais une participation aussi haute. Putain, qu'est-ce que c'était drôle. Ah bah le monde entier avait pas écrit. Bon, moi je... Et au taux d'aujourd'hui, on peut toujours regarder Caroline. Et ça, c'est une vanne excellente. Bonsoir, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est n'importe qui. Ce soir c'est moi, François Lyonnais. Des bisous à John, oui, d'accord, oui, mais moi mes bisous de fin de plateau, ils sont réservés à mes geeks et à mes geekettes que j'aime par-dessus tout. Puis en plus Benoît il pique. Parce qu'on aime bien ça sur No Life. Désolé pour la vanne du dernier plateau sur Haricot Macias, Haricot Jelly Beans. Je vous préviens, ça va être un peu compliqué pour les gens qui connaissent rien au montage, mais pour les autres, vous allez voir, c'est fascinant. Donc, le point de sortie d'un plan, c'est ce qui te permet du coup de rentrer dans le plan suivant. Et ben là, ce mec-là, il se dit, en fait, le point de sortie, il n'y en a qu'un par prise. Il n'y en a qu'un seul et il faut trouver ce point absolument juste. Et ce point, comment il fait pour le trouver? En fait, il fait play. Alors, il faut savoir que là, maintenant, il est en numérique, mais il travaillait avant en pellicule. Donc, il fait play et il fait stop. Ça lui donne une image de sortie. Mais par contre, il refait play une deuxième fois et s'il ne retombe pas exactement sur la même image, et quand on parle d'image, il faut savoir que donc il y a 25 images par seconde ou 24 images par seconde au cinéma, s'il ne retombe pas exactement sur la même image, et ben il recommence. C'est pas un truc de fou, ça? Le vendredi, c'est n'importe qui. Et ben, c'est nous. Je suis Jérôme, je suis le plus grand RP du monde, mais je travaille chez Codemasters avec Paul. Le plus petit chef produit du monde. Alors moi je pue parce que j'ai laissé mon linge sécher trop longtemps, c'est le truc un peu mouillé, alors du coup ça sent le vomi maintenant. Je suis désolé, heureusement vous me sentez pas. Hier nous avons pu suivre le super play Super Mario Kart, qui a quand même été tourné il y a un an. Aujourd'hui l'interview qu'on vient de regarder, elle a été tournée il y a deux ans. Je me dis quand même qu'il y a des monteurs qui ont perdu du temps. On n'est pas prêt d'avoir France 5, hein. Quand même, c'était toute une époque, hein. Et pour bien nous réveiller, ben, on retrouve notre Chan, toujours au taquet, pour sa rubrique au tac. Au tac, au taquet, je sors. Bonjour, le vendredi c'est n'importe qui, aujourd'hui c'est moi, Thomas ou Damax sur le forum. Ah, Raoul mon fils, il est grand temps que tu te trouves une épouse. Parce qu'on n'en peut plus de toi à la maison, tu fais trop de bruit avec ta PS3 et tu joues si tard. Mais père, vous me comblez déjà d'amour, de tout l'amour dont j'ai besoin, et les loyers sont tellement chers, et les programmes des machines à laver... Que faire de tes lamentations? Avec ta mère, nous t'avons sélectionné des tentatrices lors d'une fabuleuse émission de télévision, et tu devras en choisir une. Ou sinon... Sinon quoi? Exactement. Comme vous le savez, le marché du jeu vidéo évolue très vite. D'ailleurs, bah, j'en veux pour preuve que je ne travaille plus à No Life. Mais le marché du jeu vidéo évolue très vite, donc les sorties des jeux vont très vite, les sorties des consoles vont très vite. Il y a 3 ans, quand on commençait No Life, bah, la PS3 venait de sortir ou allait sortir. Et ben, toute l'équipe, tout le pôle jeux vidéo de No Life revient sur 3 ans de jeux vidéo, sur les grands moments vidéo ludiques. C'est beau ça. Voilà, on regarde tout de suite. Voilà. Et ça fait trop télé ça par exemple. Ah, j'avais oublié.
J'avais oublié qu'il fallait pas faire trop télé, mais en fait, moi, maintenant, je fais un peu trop télé, mais je fais un peu trop télé No Life. C'est pour ça que je trouve pas de travail ailleurs. Bonsoir, alors c'est les 3 ans de No Life, c'est les 3 ans de la chaîne et c'est aussi 3 ans de traitement de jeux vidéo et pour l'occasion on a décidé de se réunir avec avec une partie de la rédac justement pour revenir sur notre traitement du jeu vidéo et même le jeu vidéo d'une manière générale sur les 3 dernières années. Mais avant de lancer les hostilités, on va regarder un petit truc et on se retrouve juste après. On commence aujourd'hui avec quelques images de StarCraft 2, la suite du jeu à la popularité la plus endurante de tous les temps. On sait qu'on se fait du mal, car les jeux Blizzard sont ultra longs à sortir, et donc là, ce n'est pas pour tout de suite. Mais bon, StarCraft 2, quoi! Hail, it's about time. Alors voilà, c'était des images de StarCraft 2, ça date du. Ça a été diffusé dans le cadre du deuxième 101% de toute l'histoire de la chaîne, donc ça devait être genre juin 2007. Et on a trouvé ça pertinent de vous les montrer parce que justement le jeu sort maintenant. Et à l'époque, quand on avait diffusé ça, quand on avait préparé ça, on pensait pas qu'on allait tenir 3 ans. Ok, maintenant on peut lancer les hostilités, on va parler de jeux vidéo, mais avant toute chose, on va peut-être faire un petit tour pour savoir qui sont les acteurs de cet event spécial, à commencer par l'éminence de Thierry Falcoz, rédacteur en chef de la chaîne. Thierry, dis-nous exactement ce que tu fais, on t'écoute. Ok, on se présente un petit peu sur ce qu'on fait. Bah, moi, je suis arrivé un an après le début de la chaîne. Je m'étais occupé en tant que pigiste de l'émission Vue Subjective, enfin en tant que pigiste, en tant que collaborateur de la chaîne, gratuitement. Et puis ensuite, derrière, j'ai commencé à bosser sur le jeu. Donc là, avec Kevin, avec Pierre-Alexandre, avec Anne, avec Julien. Excuse-moi, t'es pas arrivé en touriste dans le monde du jeu vidéo, étant donné que t'as des bases. Alors, il y a probablement quelques personnes qui connaissent pas ton passé, parce que t'as quand même de la bouteille, t'as un certain âge. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le jeu, donc j'ai commencé sur Génération 4, magazine papier. Ensuite, j'ai fait un peu d'internet, ensuite j'ai bossé à Game One, et puis finalement, là aujourd'hui, sur No Life, où je m'occupe du jeu avec plaisir. Voilà. Magnifique. On va passer à Jonathan. Jonathan, raconte-nous des choses intéressantes. Moi, en fait, je suis arrivé à No Life tout de suite, quasiment après mon BTS, un BTS audiovisuel, et donc je suis venu en tant que cadreur, monteur. Et au fur et à mesure, j'ai vu un peu tout le monde écrire, bosser, et ça m'a intéressé. Je voulais un peu rentrer dans la rédac jeux vidéo. Donc, je file des coups de main de temps en temps pour les jeux qui m'intéressent un peu plus. J'aime bien les jeux d'horreur, mais... Ou avec Vin Diesel. Oui, les jeux avec Vin Diesel, donc Riddick et compagnie. Merci, Pierre-Alexandre. Et que dire de plus D'accord. Voilà, okay, c'est, je crois que c'est tout. Ok. Donc, Anne, alors toi, il me semble que tu as quelque chose de très original à raconter. Donc, fais le même exercice que Thierry et Jonathan, d'accord, mais avec un petit côté... plus féminin. D'accord. J'étais stagiaire, voilà, c'était ça. Je suis arrivée à No Life comme stagiaire en février 2007, quelque chose comme ça. Avant le lancement, donc. Je ne sais plus quand j'ai commencé à faire des critiques, mais à la base, donc, j'étais là pour faire de la traduction, puis 2-3 petits montages et des trucs, genre habiller les clips, etc. Et à un moment, je ne sais plus pourquoi, je me suis retrouvée à faire une critique de jeu, et depuis, j'en ai fait quelques-unes, et travaillé sur des émissions aussi à côté. Le pourquoi, j'imagine que c'est parce qu'on était en sous-effectif, on était en galère. Non, j'explique pour les jeunes qui nous regardent, donc ok, très bien. On va passer maintenant à Sieur Pirou. Alors, on n'a évidemment plus besoin de te présenter, mais ça serait pas juste par rapport aux autres. Donc, raconte-nous ton histoire, comment est-ce que tu es arrivé là, et ton rapport avec le jeu vidéo. Moi, j'ai rejoint No Life bien avant le lancement de la chaîne, puisque j'ai commencé à être impliqué avec la chaîne, je pense, c'était à Noël 2006. Voilà, c'est par Davy Mourier qui m'a recommandé auprès d'Alex et Seb pour faire
ce qui est devenu au final la Minute du Geek. Et puis au final, j'ai aussi travaillé sur des critiques, Retro and Magic et pas mal de petites choses sur la chaîne. Voilà. Ok, nice. Ensuite, on a Pierre-Alexandre, donc le silent type guy. Il parle pas, mais il en pense pas moins. Hey, non, mais... Alors vas-y Pierre-Alexandre, raconte-nous des choses. Alors moi je suis arrivé en août 2007, donc un peu après le lancement. En fait à ce moment-là, Sébastien s'occupait pas mal de l'actualité, donc c'était jeux vidéo, nouvelles technologies, tout ça, et ses fonctions de directeur de la chaîne l'empêchaient à ce moment-là de continuer. Et je suis arrivé à ce moment-là, j'ai proposé ma candidature parce que je suis journaliste, j'ai une formation de journaliste. Et donc c'est tombé parfaitement, j'ai pris le poste et je me suis occupé des news, de l'actualité pendant 6 mois. Puis après Thierry est arrivé, on a fait des critiques, on a commencé à monter un peu la rédaction, voilà. Et puis ensuite je fais des reportages et toutes sortes de choses pour la chaîne, pour le jeu vidéo. D'accord, nice. Enfin on a le Docteur Lacave, donc ça fait plaisir. Alors Docteur Lacave, vas-y, fais-nous rêver. Donc toi, Hayden Palace, tu m'avais confié un jour, Hayden Palace, j'ai fait ça avec des crottes de nez pour le pilote et tout. C'était bien, non mais c'est vrai, il m'avait dit ça, j'étais mort de rire. Alors donc toi, ton histoire avec la chaîne, comment t'es arrivé? Moi je suis arrivé en présentant le projet Hayden Palace, qui s'appelait Warp à l'époque. Et il était validé, puis... Seb et Alex m'ont dit, t'aimes bien les jeux vidéo? Bah oui, puisqu'ils donnent pas ça à traiter de jeux vidéo. Ouais. Et ils m'ont dit, bon, on aurait peut-être besoin de gens pour faire des critiques et tout. Moi, je savais pas, enfin, je connais un peu les jeux vidéo, mais je savais pas trop si je pouvais faire l'exercice ou quoi. Et ça m'a plu, et puis on a continué un peu jusqu'au moment où je pouvais plus trop, parce qu'il y avait plus le temps et tout ça, donc voilà. Ok, nice, la cave. Objection! Et toi, Médoc, alors à quel moment, raconte-nous comment tu es arrivé sur la chaîne? Ok, j'ai adoré ton intervention. Parce que j'osais pas moi-même. Alors donc moi c'est simplement j'ai entendu parler de la chaîne parce que c'est une petite famille hein, les jeunes qui bossent pour nos lives, on se connaît un petit peu tous et je me suis dit je vais faire une émission sur les RPG parce que c'est mon domaine, c'est ma cam et ça existait pas, donc j'aurais une petite émission sur le RPG avec des petites blagues en dessous de la ceinture, tout ça, mais avec un traitement sérieux. Et puis ensuite UXP, après Thierry m'a payé pour faire des critiques, tout ça, il m'a un petit peu exploité, et puis au final j'y ai pris goût tu fais ta star quoi. Et maintenant je fais pas ma star il est une star. Ah, c'est la star. Alors bon les gars, alors ravi d'avoir fait connaissance avec vous, toute la team rédactionnelle. Enchanté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner quelques highlights au niveau des critiques de la chaîne. Faut savoir que No Life, en termes de critiques de jeux vidéo, c'est environ 500 jeux critiqués. 500. C'est un truc de ouf dans l'espace de 3 ans. C'est la moitié de 1000 et c'est le quart de 2000. C'est un truc de fou. Ça représente environ, je regarde mes fiches parce que je suis un professionnel, plus de 50 heures. C'est-à-dire, si tu veux te faire une complete mania des critiques, t'en as pour 50 heures. Et là, ce qui m'intéresse et ce qui va probablement intéresser les gens qui nous regardent, c'est les jeux marquants. Est-ce que vous avez des jeux marquants en 3 ans de jeux vidéo sur No Life? Il y a bien des jeux qui vous ont marqué de manière, je veux dire, j'ai presque envie de dire physiquement. C'est-à-dire, t'as la galette du Blue Disc sur le visage ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui vous a marqué en termes de jeux? C'est ce qu'on va découvrir avec Anne. D'accord. Alors... Tu prends sur les 3 ans. Hein, sur les 3 ans. Alors et oui, t'en prends genre 2. 2 hein? Ouais, 2. Alors c'est des trucs bizarres, je sais. C'est 2 jeux téléchargeables et c'est 2 jeux sur la même console. Ça va être Flower et Nobby Nobby Boy, qui sont sortis à peu près en même temps. Oui, il y a des gens qui rigolent autour, oui. Non, c'est très bien, Flower. Ça tue, Flower. Flower, pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai vu, en fait, j'ai pas joué moi-même, je regardais quelqu'un qui jouait. Et je sais pas, j'ai eu une espèce de sentiment très bizarre de... voilà, maintenant le jeu vidéo arrive à faire ça, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'émotions dans un jeu vidéo depuis Secret of Mana, en fait, tout simplement. Donc oui, ça date quand même. Ah ouais. Et Nobby Nobby Boy, c'est parce que c'est Nobby Nobby Boy, quoi. C'est n'importe quoi. Et plus ça va, plus les updates, ça devient n'importe quoi aussi. Et que voilà, je trouve que ça bien de pouvoir arriver à faire ça sur console maintenant. Et que ce soit un gros éditeur qui le sorte aussi. Et ce qui est bien aussi avec Flower, c'est typiquement, on a toujours dû voir ça dans votre famille, les proches, etc. Le jeu vidéo, c'est que des trucs violents, c'est bourrin, c'est adolescent, etc. Tu sors Flower, tu leur montres et ils se taisent à jamais.
C'est l'intérêt. Voilà. Le jeu vidéo, ça peut aussi être ça. Ouais. C'est un jeu biblique, quoi, quelque part. Ouais, et puis c'est un jeu que tu peux mettre, tu rentres de soirée, tu le mets. C'est ça qui a son ambiance, ouais. Oui, c'est sûr. Ça, c'est... Non, c'est pas ambiance, justement, ça détend. C'est une descente progressive et très très agréable. C'est très mélancolique avec juste une pointe d'espoir, quand même. C'est... J'ai envie de chialer, de m'ouvrir les veines avec une petite cuillère. Mais avant, il y a Pierre-Alexandre qui va nous donner ces deux jeux qui l'ont marqué pendant ces 3 ans. Moi, je suis super original, je vais commencer par GTA 4. C'est original. Ouais. C'était vachement bien. Ouais. C'était super bien. En plus, c'était un moment où on a commencé les critiques sur 18+. Et c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et c'était génial. Et le deuxième, peut-être... Call of Duty, parce que j'ai beaucoup aimé les derniers et que Modern Warfare 2, par exemple, c'était un très bon jeu, donc je dirais ça, mais je vais en citer un autre, et juste parce que c'était insupportable, c'était Tenchu. En fait, c'est plus ça qui m'a marqué, c'est juste que j'arrivais pas à passer didacticien, en fait. Non, il était tellement on était à 3, on était à 3 à essayer de l'aider, on n'a pas réussi. Avec Solus, avec. Il y a un moment, il y a un problème, tu vois. C'est dans le niveau, c'est pas possible de passer. Il y a un espèce de truc où il fallait faire. C'était impossible. Non, bref, c'est le jeu, on l'a abandonné en fait, on n'a pas fait la critique, c'était impossible. On l'a toujours, la tête de moi. Il est en bas. Il n'a pas bougé lui, il est à la maison. Parce que tu relèves le défi, c'est ça. Mais évidemment, enfin, je veux dire. Attends, quand il y a du challenge, je suis là. Julien. Alors, moi, les deux jeux qui m'ont marqué sur ces 3 ans, c'est pas facile d'en choisir deux. Je dirais qu'il y a Tales of Monkey Island, parce que j'aurais pas cru le voir sortir, en fait. Et c'était bien. Et sinon, un jeu dans ces 3 années, je dirais Warhammer 40 000, Dawn of War, Soulstorm. La troisième extension du jeu qui est toujours installée dans un coin de mon PC et auquel je rejoue de temps en temps, ce qui est, je pense, mon jeu de stratégie temps réel préféré. J'attends de voir si StarCraft 2 va pouvoir battre Soulstorm dans mon cœur. On l'avait pas dit il y a 3 ans, s'il y avait une chance de... que StarCraft 2 100%, le deuxième 100%. Tu n'as pas suivi le début de l'émission. Si, tout à fait. Alors, avant de te demander à toi, la cave, les deux jeux qui t'ont marqué. Oui. Je crois que justement, toujours pour étant donné que je me suis inscrit dans un processus d'originalité, je vais d'abord dire les deux miens, si ça ne te dérange pas. Vas-y. D'accord ? Je t'en prie. Il est super sympa. À l'écran, on dirait pas, mais dans la vie, il est très très sympa. Alors moi, c'est Persona 3. Persona 3, 4. Parce que... Non, 3. Mais le 4 qui tuait aussi. Mais le 3, parce qu'il me semble que j'en avais parlé. Et parce qu'en fait, avant d'y jouer, j'avais jamais joué en fait à un personnage. J'avais déjà tâté du Megaten, les DDS là, Digital Devil Saga, tout à fait. Et peut-être même un Devil Summoner, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Mais je connaissais pas encore très bien l'univers des Megaten, tout ça. Et j'ai découvert ça, j'ai découvert le bestiaire avec Persona 3. Et puis même l'histoire, tout le game system d'une manière générale, j'avais vraiment accroché. Et puis dès que ça se passe dans un lycée, avec les bento, avec les rencontres sur le toit, les lettres d'amour dans les casiers, tout ça, moi j'achète direct. Et le deuxième, c'est probablement Mass Effect. Mass Effect qui est sorti, il me semble, en novembre 2007 ou quelque chose comme ça, fin 2007, et c'était une gifle. C'était vraiment la gifle. J'étais vraiment pas science-fiction, tout ça, Star Trek, tous les trucs comme ça, c'est pas ma cam. Mais Battlestar Galactica, je sais pas quoi. Mais Mass Effect, non, c'était. Les foudres, là. Ouais, je sais, physiquement, je suis capable de. Et c'était vraiment pas ma cam. Mais Mass Effect, c'était vraiment la gifle parce que déjà BioWare et parce que ils arrivaient à te faire un RPG, mais avec autre chose que du tour par tour, et je trouvais ça vraiment super intéressant. Voilà, donc maintenant la cave, raconte-nous tes deux jeux. Alors deux jeux marquants, alors il n'y en a pas que deux, il y en a plusieurs. J'ai envie de dire, le premier jeu marquant, ouais. Ça serait assez étonnamment un jeu qui ne me correspond pas du tout, et que c'est Thierry qui m'a fait découvrir en me disant « Tiens, tu veux pas faire des captures pour ce jeu ?» Et je fais « Oh non, et tout, je vais dire le titre du jeu quand même. Ouais. » C'était Saints Row 2. C'est-à-dire qu'il m'a fait essayer Saints Row 2,
Et là, j'ai découvert un style de jeu complètement barré, quoi. Enfin, un jeu complètement fou. C'est-à-dire qu'on peut être un rocker qui sort de prison, comme ça, il fait des bonds de 20 mètres, il sort d'hélicoptère, il saute. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est super cartoon, en fait. Ouais. Et puisqu'on m'avait conseillé GTA 4, et GTA, j'ai un peu de mal avec cet aspect, on va dire, d'histoire réaliste, si tu veux. C'est le mec, quand même, comme ça, il va se battre dans la rue, tu vois. C'est... Ah oui, il avait l'accent. Ouais, il a un peu un accent comme ça. C'est un marseillais. Hugo Bellic. GTA 5, Marseille. Ouais, il vient de Belzane, c'est tout. Bon, bref. Et donc, en fait, je me suis super amusé avec Saints Row 2. Et je me suis procuré toutes les extensions et tout, parce que j'ai vraiment adoré avoir une voiture de sport tunée, violet et blanc, avec la lumière en dessous, ouais, en écoutant du A au volant et tout. C'est super. Du A, hein? Ouais, du A. T'es con. Il y a tout qui explose derrière, tu vois. C'est génial, quoi. Et vraiment, ça m'était, je pensais pas m'amuser avec ce type de jeu. D'accord. Donc après, on m'avait demandé de faire 50 Cent, mais bon, c'est autre chose. Ouais. On va pas parler, Et après, j'ai un, pareil, comme Julien, un souvenir de critique, puisqu'il parlait de châtiment biblique, c'était Little Big Planet. Ouais. C'est-à-dire que je crois que tous les bugs possibles et imaginables, je les ai eus. Ouais. Tout, à chaque fois que j'allumais la console, il y avait un temps de chargement, une mise à jour de la console. Alors, tu sais, avec la barque, ouais, on t'attend 3 heures, et puis au final... Installation de la mise à jour, donc c'est pour ça que peut-être que c'est un peu influé sur mon objectivité. D'accord. Aussi. Est-ce que tu as envie de t'excuser auprès d'un certain nombre ? Non, puisque finalement le temps, je trouve qu'il donne plutôt raison, ouais, puisque bon, c'est pas le jeu le plus marquant de l'histoire de la PlayStation. Bon, après, ils en font d'autres. Et sinon, après, c'est aussi un. Donc là, c'est vraiment un jeu marquant, c'était Super Smash Bros. Brawl. Parce que déjà, Super Smash Bros, quand on est fan, voilà, c'est du pain béni, quoi. C'est du fan service à 100%, mais du vrai bon fan service. C'est-à-dire que pour débloquer, faire tout un système, de plein de trucs à faire. Après, il y a un tableau des scores où tu peux choper des trucs, des indices pour savoir comment faire. Et c'était aussi la plus longue critique que j'ai jamais faite. Je crois qu'elle dépasse les 20 minutes, un truc comme ça, ah ouais, ce qui est assez énorme. Et aussi, avec Jonathan, on avait fait le tournoi interactionnel. Je voulais qu'il parle de ça parce que c'était dans le cadre d'un event. Ah, c'était génial. D'ailleurs, la soirée était tip top. Il y avait des hôtesses, vous vous souvenez? Des petites danseuses. Oh, un truc de ouf. Pole dance et tout. Et non, c'est vrai. Oui. Non, c'est vraiment pas du bullshit. Hein. C'était un truc de Nintendo. Ouais, qui fait ça. C'est assez... Et il y avait une team, donc La Cave et Jonathan. Qui bataillait contre d'autres jeunes sur Super avant Donkey Kong et moi, voilà. Link. Exactement. On était là avec le role-playing gang pour les encourager et tout, c'était vraiment génial. Il y avait les cris derrière et tout, c'était bien. Alors, malheureusement, ils ont perdu, mais ils sont super. Il y a une explication aussi. Vous êtes arrivé deuxième, troisième, c'est ça? Alors en fait, non, on est arrivé troisième. Techniquement, ouais, on est arrivé quatrième, mais comme il y avait une équipe infiltrée qui comptait pas, on est arrivé troisième, mais on s'est fait battre par 20minutes.fr. Bon, et ensuite, saloperie de bombe. Oui, parce qu'en fait, ils avaient des versions avant. Oui, voilà, tout le monde a vu les versions. Bien sûr, bien sûr. On n'y avait jamais joué. En fait, on s'était entraîné deux heures sur la version. Deux heures sur la version GameCube. 10 minutes, non? C'est comme ça. Une heure squattée dans la salle de saisie. Ils n'avaient jamais touché une Wii avant. Je veux dire. Moi, je dis bravo chapeau l'artiste. Non, c'est vrai. Non, mais ils étaient impressionnants. C'est-à-dire que, si tu veux, on partait là-bas en se disant ouais, on y va pour s'amuser, pour manger un coup, et puis basta, quoi. Et finalement, non, on est arrivé assez loin et on était super contents de nous, et voilà. Non, c'était... Si tu veux, j'avais pris Donkey Kong parce qu'il avait une cravate, tu vois. Donc ouais, bien c'était même pas parfait. Bien sûr, mais ça va, tu connaissais les coups, tout ça. Oui, toi, comme ça. Mais on en discute tout à l'heure, si tu veux bien, La Cape. Jonathan. Bah, moi, en fait, c'est un peu comme Pierre-Alexandre, c'est un des jeux marquants, c'est GTA 4. En fait, au départ, les GTA, moi, j'avais joué un peu sur les premières versions sur PC, quand c'était en vue du dessus, c'était rigolo, pam pam boum boum, mais il y avait vraiment un décalage, un vrai décalage. Après, il y a eu l'arrivée du GTA 3, qui prenait déjà qui était un peu plus réaliste dans son approche, mais sauf que là, il y avait un problème pour moi, c'est qu'il prenait trop à la légère la violence, ce coup-ci, vu qu'il y a le fait que ce soit réaliste visuellement. Et donc il y avait quelque chose, je trouvais un peu malsain, un petit peu adolescent en fait. C'est genre, ouais, on va buter tout le monde et voilà. Là, sur celui-là, j'y avais joué des heures où je me postais en haut d'un immeuble et je dégommais tout. Et là, après, il y a eu le GTA 4 qui est arrivé. Et là, cette fois-ci, ça avait une certaine maturité en fait dans son propos. Il était plus mature, vraiment sérieux. Les personnages sont...
Les personnages, ouais, ils finissent tous mal, quoi, en fait. Ouais. Chaque acte avait ses conséquences. Et c'est pour ça que je me suis vraiment plus investi dans celui-là. C'est le seul GTA où je me suis pas arrêté à tout détruire dans la rue jusqu'à ce que je crève, quoi. D'accord. Donc ça a été vraiment une grosse claque, quoi. Ok, et le deuxième ? Et le deuxième, c'est Dead Space. C'est le plus gros truc que j'ai jamais eu en termes de jeux vidéo. C'est juste génial, fabuleux. J'attends le 2 avec impatience. D'accord. Nice. Thierry, je t'ai déjà demandé, non ? Non, tu m'as pas demandé. Tu peux me demander si tu veux. Je te prenais en dernier parce que t'es le rédac chef, tout ça. Alors moi, c'est terrible, je vais pas faire super original parce que c'est vrai que parmi mes deux jeux que j'avais un petit peu présélectionnés, il y a GTA 4. Donc du coup, je vais parler d'un autre jeu, même si GTA 4, c'est un titre qui m'a vachement marqué, comme vous, en fait, pour son contenu adulte, mais également pour son gameplay qui avait été un petit peu revu, et également pour les conséquences, en fait, dans le jeu. Non seulement t'as la possibilité d'être un scénario extrêmement dynamique, et en fonction de tes actions, le jeu change complètement, et il y a certaines situations où t'es confronté à des choix vraiment difficiles, pour le coup. Et en plus, ce que j'adore, moi, dans le jeu, c'est la dimension sociale. Le fait que t'aies des amis un peu partout, etc., qui t'appellent, tu dois entretenir des amitiés, et dans certaines situations, en fait, ils révèlent leur personnalité. Donc en gros, c'est la grande force des titres Rockstar, on a des vrais personnages. C'est vraiment des genre solidement écrits, genre je crois que c'est quasiment le seul éditeur à être capable de fournir des personnages d'une telle maturité. Ouais, avec BioWare, ouais, ils sont un peu saoulants quand t'es en pleine mission, ils commencent à t'appeler pour vouloir aller jouer aux fléchettes. C'est normal, c'est des fléchettes. Ça arrive dans la vraie vie. Ça arrive dans la vraie vie, t'es occupé, voilà, on t'appelle. Ouais, pour des fléchettes tout le temps, moi, c'est... Et sinon, moi, il y a Super Mario Galaxy. Donc, clairement, pour moi, c'est une grosse tuerie. Mario 64 m'avait retourné la tête à l'époque. Oui. J'avais été un peu plus déçu par le Sunshine. Et ensuite, derrière, c'était la claque Galaxy, genre avec une profondeur de jeu hallucinante et du pur gameplay. C'est tout simplement, c'est un jeu qui, tu peux le reprendre à n'importe quel moment. Le simple fait de diriger le personnage est un plaisir en soi. Donc à partir de là, tout est gagné. C'est une école à part entière. Et c'est un modèle encore aujourd'hui pour tous les développeurs. C'est ça du jeu vidéo. Voilà. D'accord, comme ça. Et puis il y a aussi Chrono Trigger, parce que bon, c'était le jeu qui m'a fait craquer étant gamin. J'avais joué pendant des heures et des heures. Donc le pouvoir le refaire sur DS, c'était un bonheur infini. En français. C'était un bonheur infini. Ouais, et dans une pure version, enfin, je veux dire, les trucs qu'ils avaient ajoutés, c'était vraiment très très pur. Ouais. Et sur les petits trucs liés à l'histoire, un petit peu de le travail sur la chaîne, etc., moi j'ai vachement apprécié de travailler sur deux reportages, qui étaient un reportage sur Soul Bubbles, donc chez Make and Sleep, et un reportage sur Big Bang Mini chez Arkido. Et voilà, parce que c'est des sujets que j'ai un peu montés, et moi, à Game One, j'avais fait pas mal de docs, mais c'est toujours avec un monteur, donc là je me suis vraiment amusé à monter les images, et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est et un en plus, c'est plus long qu'on ait c'était assez long. et ensuite, c'est deux titres, genre indé, magnifiques sur DS, qui ont absolument pas marché, et c'est vraiment dommage. Mais je crois d'ailleurs maintenant on va aborder les tendances, et l'une des tendances là aujourd'hui, c'est justement la mort de la plateforme DS. D'accord, alors attends. Un gâteau un peu spécial pour l'anniversaire de No Life. Joyeux anniversaire No Life! And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Alors, j'interromps un tout petit peu le débat sur le jeu vidéo, ça revient juste après, mais juste pour dire que 3 ans de No Life, c'est aussi quasiment 3 ans de Nerds. Je dis bien quasiment, puisque entre la saison 3 et la saison 4, on a eu un an de pause, enfin pas vraiment de pause, puisque en fait, avec Didier et Poulpe, on écrit Nerds depuis septembre dernier. Et là, en juillet, on commence le tournage, ça va s'étaler sur un mois et demi, et la saison 4 de Nerds va arriver, à mon avis, mi-septembre, début octobre, sur No Life. S'il y a une rentrée. Hein. S'il y a une rentrée, bien sûr. En tout cas, vous retrouvez sur Ankama, sur le web, et sur No Life, la saison 4 de Nerds. Voilà. Et la méga exclue, je vous la donne là, c'est que dans la saison 4 de Nerds, il y a un des quatre personnages principaux qui va mourir. Voilà. Et c'est pas des conneries. Voilà. Et on retrouve la suite du débat sur les jeux vidéo. Yes,
maintenant, on va aborder les tendances. Donc Thierry, continue à parler. Il y a plein de choses en fait sur... Alors, en 3 ans, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu genre la Xbox était déjà sortie, ouais, la PS3 était déjà sortie, la PS3. La PSP aussi, la Wii aussi. Tout était sorti. Donc, on a eu quoi donc, durant ces dernières années? On a vu la PS3 s'imposer. Le format Blu-ray s'imposait. Très tard. Et c'est très tard. Ouais, c'est, parce qu'au début, c'était vraiment pas gagné. Je sais pas si vous avez vu au début les anti-fanboys de Sony, tout ça. Ils tenaient des propos vraiment super durs. Hein. Ah ouais, ouais, dis donc, la console, elle est à 20 000 dollars. En plus, il n'y a pas de jeu. Mais il faut dire aussi que les Blu-ray ont baissé. Ils sont maintenant quasiment au prix du DVD. Puis il y a des gros studios qui se sont mis derrière aussi. Comme Disney, avant, il n'y avait pas. Spécialement, là, ils se sont imposés et ils ont capitalisé là-dessus. Et je pense que les gens ont suivi, quoi. Mais là, à la base, c'était la Wii. La Wii était déjà là, elle a explosé. La Xbox, ça a bien marché au début et puis ça s'est stabilisé. Et la PS3 n'a pas trop marché au début. Par contre, après, elle a explosé là, notamment la Slim. Ah, mais aussi le fait là, que monte, les télé, en fait, les télé HD sont devenus abordables et, ça, et que tout le monde, là, les gens, ça. Son métalage. C'est vrai qu'à partir du moment où on a une PS3 en HD qui est à côté d'une Wii qui est en SD, ça fait mal. Quoi. Mais c'est que les gens achètent une PS3 aussi pour pouvoir lire des Blu-ray, hein, tout simplement. Ah bah oui, c'est vraiment le argument de base. Et encore une fois, c'était vraiment pas gagné. Je sais pas si on peut partager cette anecdote avec les téléspectateurs, mais la soirée de lancement de la PS3 sur la péniche, ça c'était bien. Ça. Je sais pas si tout le monde est au courant. La péniche de la Xbox qui passait à côté. À cette soirée où beaucoup de journalistes sur le petit bateau PS3 avaient reçu des SMS de Xbox. Microsoft, hein. Ouais. Il y avait le bateau Xbox qui passait en face. Alors, je t'en prie, Alex. Alors, la soirée de lancement de la... Bon, attendez, je m'approche. Alors, la soirée de lancement de la PS3, je l'avais couvert pour No Life, parce qu'on espérait lancer la chaîne à ce moment-là. Et la chaîne n'a pas été lancée tout de suite, donc du coup les images n'ont jamais été diffusées. Je suis jusqu'à ce soir, parce que je vais pouvoir les mettre là. Ouh, ça, c'est bien ça. C'était pas prévu. On a le bateau. C'est nickel. Donc vous allez voir la honte. On était sur les tendances. Sur les tendances. Mais donc on était sur la PS3, donc la PS3 a explosé. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la plupart des petits développeurs, en tout cas des petits studios, arrêtent de développer sur Wii et sur DS, parce que ces deux plateformes sont beaucoup trop piratées. Ouais. Donc les plateformes ont tendance à couler. Aujourd'hui, évidemment, ça cartonne toujours grâce aux titres Nintendo, mais c'est un peu les seuls à réussir à faire de l'argent avec ces machines, avec quelques rares exceptions chez d'autres éditeurs sur des titres extrêmement casual, type Just Dance ou Lapin Crétin, par exemple, pour Ubisoft. Mais les éditeurs tiers n'ont jamais réussi à imposer leur jeu sur Wii de toute façon. Alors qu'il y a des bons titres. Ouais, c'est dommage, il y a des bons titres, mais ils sont rares. Mais malheureusement, ils sont noyés. Mais ça a toujours été chez Nintendo, de toute façon. Enfin, c'est un truc qu'on peut reprocher à la 64, qu'on peut reprocher à la GameCube. Pas à la GBA, par contre. Mmh. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le y a un changement au niveau du piratage, c'est-à-dire... Il y a quelques années, le piratage, c'était quand même une sorte de petite élite. Genre, il y avait peu de gens qui le faisaient. Et ensuite, c'était des petites communautés qui se filaient les jeux. Là, aujourd'hui, avec la DS, on s'aperçoit que c'est ta grand-mère, ton grand-père, ton petit cousin. Ils ont tous la petite R4 et ils téléchargent sans même savoir que c'est illégal, sans même savoir qu'ils sont en train de tuer une plateforme. Donc, en tout cas... J'ai une anecdote assez drôle. J'ai un ami qui travaille dans le jeu vidéo qui allait récupérer ses enfants à l'école. Et l'institutrice, sachant qu'il travaillait dans le jeu vidéo, lui a demandé « Au fait, vous connaissez, vous pouvez me donner l'adresse d'un site où on peut récupérer les jeux gratuitement ?» C'est bien, ça. Ah, c'est j'imagine qu'il a dû se sentir un petit peu vert, quand même. Et puis, on a eu d'autres choses. Alors déjà, sur la DS, sur les plateformes, on a eu 3 DS en 3 ans, nouvelles, qui sont sorties. On a eu la Lite. Plus que la Game Boy à l'époque, quoi. Parce qu'il y a la Game Boy, il y a eu la Game Boy basique, la Game Boy Light, enfin la... La Color qui a mis très longtemps, et la Advance qui a mis très longtemps. C'était une nouvelle, la Color. Une nouvelle, mais c'est un peu comme la DSi et la DS. C'est vrai. Mais je veux dire, on n'avait pas connu ça aussi rapidement avec la Game Boy, quoi. Ouais. Là, la DS, c'était du tac au tac, quoi. Il y en a 3, on a eu donc la Lite. On a eu la DSi, on a eu la XL, et là, peut-être en fin d'année, ou en tout cas ou en début d'année prochaine, on aura la 3DS. Mais là, c'est une autre console. C'est une autre console, là, pour le coup. Et puis ça s'attache à une autre tendance également, qu'on est en train de découvrir, qui est la tendance des jeux 3D. Voilà, et on n'a pas parlé de l'iPhone, rapidement, genre l'iPhone qui a explosé en tant que plateforme de jeu. Voilà. Mais en tout cas, la 3D là, commence à arriver. Et c'est vrai qu'on a les premiers discours Avatar. Merci Avatar. C'est clair que ça a été le déclic. Et aujourd'hui, tout le monde se dit que la prochaine étape pour le jeu vidéo, c'est les télé 3D, c'est les jeux vidéo en 3D. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, j'avoue que je suis un peu sceptique. C'est comme dans le Millennium Falcon avec l'espèce de jeu d'échecs avec des hologrammes. Ouais, c'était top.
C'était une référence de geek, ça, n'est-ce pas? Non, tu crois? Science-fiction, ça marche pas. Et tu sais que c'est d'ailleurs l'inspiration pour Battle Chess. Ah oui? Ils sont basés en fait sur le jeu vu d'échecs dans Star Wars, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Non, faut que je fasse un retour de Magic sur Battle Chess. J'ai passé beaucoup d'heures sur le jeu. Sur les tendances, donc avec la PS3 et la Xbox, donc déjà le multijoueur. Donc la Wii a eu un effet plutôt positif, c'est-à-dire qu'en effet, elle a créé un nouveau public, mais en même temps, elle a eu tendance à essayer de réunir les gens sur leur canapé, devant leur télé. Donc du coup, on a eu un grand retour des gens en coop, et aujourd'hui, c'est tout un phénomène qui commence à s'attaquer, à toucher l'ensemble des studios, et donc à toucher les autres consoles. Donc aujourd'hui, on est vers un retour du coop, et un peu moins sur le multijoueur où chacun est séparé et joue chez lui. Donc avec Splinter Cell Conviction, avec Modern Warfare 2, enfin il y en a plein, en tout cas tu peux jouer en split screen et donc avec le phénomène un petit peu New Super Mario, New Super Mario Bros qui est exceptionnel, on joue à 4 devant sa télé. Qui était pensé à 4 quoi. Alexandre n'est pas d'accord. Le côté multi-online se développe énormément, maintenant t'as plus un jeu qui a pas son multijoueur à 12, 16, 42, 54 s'il faut, parce que c'est devenu très important. Même Modern Warfare, c'est un jeu solo, et c'est le multi qui va faire durer le jeu. Oui, parce que maintenant, les jeux, on les éclate en très très peu d'heures. Modern Warfare, c'est 5-6 heures, donc 6 heures pour 70 euros. Tout ce qui n'est pas RPG, en fait, tu le crèves en moins de 10 heures, en tout cas. Donc, le multi, c'est indispensable. Moi, c'est vraiment un truc qui me gêne de me dire, un jeu, ça coûte 70 euros, ça dure 10 heures maintenant, c'est... C'est ça. C'est vraiment un truc qui me tue. Alors, je sais pas, peut-être j'ai des souvenirs erronés depuis l'époque, mais peut-être que les jeux étaient plus durs aussi, mais on passait plus de temps sur les jeux. C'est devenu une erreur de penser ça. Enfin, finalement, ça dure pas 10 heures, parce que tu joues online pendant des plombs et des plombs. Donc, tout le monde n'est pas un joueur online. Par exemple, moi, je suis très peu joueur online. Là, il y a que récemment que je m'y mets avec Red Dead Redemption. Mais globalement, sur les consoles HD maintenant. Je préfère jouer carrément en multi avec mes potes sur mon canapé. On peut charrier, on peut se foutre des coups de coude. La tendance actuelle, c'est de brancher la manette. Ouais, non, tu peux plus. Il y a un film maintenant. Et le grand retour du coop split screen où tu joues genre avec tes potes devant ton canapé dans un appart. Mais c'est vrai que de toute façon, le multi reste toujours aussi important. Et t'as le mix des deux, d'ailleurs, Lost Planet 2 là, qui vient de sortir, c'est du co-op à 4 et c'est... Ouais. Ça vaut rien en solo et ça vaut... Enfin, il y a des jeux comme ça qui sont pensés comme le Monster Hunter et tout ça aussi. On va parler maintenant du DLC. Je suis persuadé qu'on a tous un avis dessus. Je suis persuadé que pour la plupart, il est négatif. Parce que à partir du moment où on est amené à payer quelque chose, on n'est pas content. On est français, c'est comme ça que ça se passe, Pierre-Alexandre. C'est pas la peine de me regarder comme ça. C'est un double effet en fait. On a eu déjà les plateformes de téléchargement, donc ça c'est super positif. On a des petits jeux qui sont apparus, parfois avec un excellent gameplay ou des gameplay en tout cas très originaux, ou alors des remakes, des hommages à des vieux jeux. Et donc ces plateformes-là ont vraiment acquis une réelle importance au fil de ces 3 dernières années, donc que ce soit le WiiWare, le PSN et l'Xbox Live Arcade. Et en même temps, avec la présence de ces services, en fait, il y a eu l'apparition du DLC, qui était genre du contenu supplémentaire pour un jeu qui sortait à 70 euros, que tu devais acheter en plus. Voilà. Enfin, après, il y a DLC aussi. Enfin, je veux dire, t'as du DLC où, par exemple, t'as un jeu de course, et il n'y a pas assez de personnages, et on va te vendre 5 euros un personnage et une course qui ne sont pas terribles. Donne un exemple, balance. J'aime pas balancer. T'aimes pas te mettre mal avec les éditeurs. Mais bon, c'est vrai que dans Sonic Superstar Racing, c'est pas très sympa. Non, c'est pas parce que Rio en Fun Week, Bref. Et après, t'as des trucs un peu plus costauds comme GTA. Je pense que là, c'est des vrais DLC. C'est pas ma cam de jeu, mais c'est des vrais. Excellent. C'est plus du DLC. Ouais, c'est à la limite sorti en boîte. C'est ce que j'aurais tendance en fait à différencier le DLC avec ce que j'aurais tendance à appeler les add-ons téléchargeables. Voilà, d'accord. Parce que pour moi, c'est vrai que DLC, ça a une connotation assez négative. DLC, on pense à une armure pour son cheval vendue 5 euros. Non, mais c'est un peu ça. Je ne vise personne, Bethesda. Mais. Mais à côté de ça, c'est peut-être parce que je suis vraiment joueur PC à la base, mais le concept d'avoir un add-on avec des niveaux en plus, avec des trucs en plus, moi ça me gêne pas. Qu'ils soient en téléchargement ou en boîte, du moment que c'est du vrai contenu, j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il y a des raisons d'être un peu énervé par ces DLC qui, pour assez cher, te rajoutent trois fois rien. Ouais, mais il faut pas être opposé non plus à l'idée d'add-ons qui sont proposés en téléchargement. Voilà, après, tant que le prix est honnête, ce qui n'est pas toujours le cas, mais
Là, on devient à faire payer des choses que tu payais pas avant. Des choses que tu débloquais avant. Les costumes de Street 4, ouais. Pourquoi tu les payes? Je comprends pas. Tu les parce as débloqués un fan et tu mais ce qui non, moi, me... tu les payes parce que. Voilà, ce qui me gêne vraiment, c'est dans les jeux où tu as des tronçons de jeux qui étaient prévus au départ, ouais. Qui sont enlevés avant la release et ensuite proposés en DLC. Ça, et ça vraiment, ça me fait mal. Il y a des trucs aussi qui sont pensés à la base, comme Soul Calibur 4. On dit, ouais, il y a Yoda parce qu'il est vert comme l'Xbox, il y a Dark Vador parce qu'il est rouge comme la PS3. Enfin, il est noir et rouge. Et finalement, si t'as des sous, bah t'auras les deux, quoi. Alors, ouais. Bon, faut pas dire des choses, finalement, puisque Soul Calibur, depuis le début, ça a été telle plateforme aura telle personne, enfin depuis le 2, en fait. Et après, on se retrouve, tiens, bah si tu peux raquer. Et sur GameCube, c'était qui? C'était Solid Snake C'était Link sur GameCube. D'accord. Regarde qui en dit. Sur les DLC, alors vas-y, je t'en prie. Par rapport au jeu, ouais, très vite, par rapport au jeu téléchargeable, il y a un revers de la médaille, à mon sens, c'est-à-dire que tout ce qui est collectionneur, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Parce que avant, on avait les jeux dans les boîtes, dans les étagères. Là, on ne sait même pas à la prochaine génération de consoles comment on pourra jouer à ces jeux, quoi. Il faudra les repayer. Est-ce qu'il faudra les repayer? Voilà, donc ça, tout de suite, après, ça fait mal. C'est ça aussi qui fout les nerfs. C'est que quand ta console lâche, ce qui peut arriver à n'importe qui, même quelqu'un qui fait très attention, et du coup, t'es amené à devoir re-télécharger tes trucs au bout d'un certain nombre de téléchargements. Oui, mais je crois que sur Xbox et sur le PSN, c'est par rapport au compte. Donc, tu peux les re-télécharger gratuitement. Mais je crois que sur la DSi, ta DS est crash, tu peux pas les re-télécharger. Mais c'est cool. C'est pas par un compte, tu peux pas les retransférer sur une carte SD. C'est sûr, contre le piratage. Bah, les politiques de Nintendo en matière de jeux téléchargeables sont. C'est étrange déjà avec le WiiWare déjà où t'as tous les jeux qui sont limités à 40 mégas. Déjà ça limite vachement les développeurs. Alors que le Xbox Live et tout ça, ils font faites ce que vous voulez quoi. On a des bons titres sur tout ce qui est dématérialisé, téléchargeable. Il y a eu Flower, Nobby Nobby, mais on a aussi des séries complètes avec les Pixel Junk, excellent sur PS3. Ou alors les Beat Trip, excellent sur WiiWare. On a vraiment des écoles comme ça, des genres complets, des séries qui se développent. Des gens qu'on croyait oublier qui renaissent sur téléchargement. La renaissance du Tower Defense, d'un coup, c'est arrivé comme ça. Tout le monde s'est mis à refaire du Tower Defense, sur toutes les consoles et tout, toutes les licences. Même à la sauce Final Fantasy. Voilà, non, mais pourquoi d'un coup, pouf, c'est arrivé? Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Peut-être qu'ils ont redécouvert le principe, ou peut-être c'est un mec pendant une réu chez Square Enix ou je sais pas quoi. Donc les mecs, J'ai un projet, c'est. Une tour, il faut la défendre. Voilà. Ouais. Eh non, mais des fois. Est-ce qu'il y a un point qu'on est censé aborder et que malheureusement j'ai oublié, étant donné que mes fichiers sont bizarres, sur les 3 ans de No Life, le traitement du jeu vidéo, 3 ans de No Life. Sur la manière dont on écrit les textes, voilà. Peut-être. Exactement, parce que. La liste des toilettes, on appelle ça. Oui, parce que, en fait, voilà. Il y a une liste. Alors, on n'a jamais fait, on aurait dû faire un debug mode d'ailleurs dessus, Alex. quand on était dans les anciens locaux, dans les toilettes, il y avait une liste. Donc avec les expressions, quand on était amené à faire des critiques, avec les expressions à proscrire, les trucs à pas sortir. On va tous vous donner un exemple de trucs à pas sortir, parce que en plus d'être ludique, c'est informatif. Et on va commencer par toi, Pierre-Alexandre. J'en sais rien du tout, j'en souviens plus du tout. Si, sans nous un truc. Il avait pas aux toilettes. Qu'on doit pas utiliser, que vous avez entendu, que vous avez lu, et qu'on évite vraiment d'utiliser. Il y a Opus, alors ça c'est le truc à proscrire. Il y avait les petits gars d'eux nous ont pondu truc. Et c'est soirée d'hiver. Oui, longtemps vous tenir la manette en main ou des trucs comme ça. Scotcher devant votre. Ça va ravir les amateurs du genre. Que j'ai commis plus d'une fois dans un Retro de Magie. Il y avait Véritable. Oui, Véritable chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Véritable et. Il y a Mathilde qui s'agite là. Qu'est-ce que. Ne déroge pas à la règle. Ne déroge pas à la règle. Excellent. Excellent. Et c'était vraiment astucieux de le mettre aux toilettes, puis c'est le seul endroit où tout le monde l'a lu. Ouais. On aurait fait une note de service ou quoi que ce soit, personne. T'as rien à foutre. Des mails, ça aurait pas marché. Il y a que des sauvages à Noël. Puis en plus, ça fait une occupation pendant que. Ah tiens, ah, Opus, ah, d'accord. Voilà. Donc avec cette liste, évidemment, l'idée c'était pas d'interdire, de nous forcer. Non, c'était simplement de nous accompagner dans une recherche d'originalité, utiliser des autres termes. Une démarche créative. Voilà, exactement, parce que c'est les termes qu'on vient de vous citer. Effectivement, on les voit
un petit peu partout. Et si on a envie de un petit peu se démarquer, on est obligé de. C'était pas de la flambe, hein. C'était pas le facile. L'idée, je crois, au départ, c'était il y avait des expressions qui se rajoutaient au fur et à mesure, simplement parce que quand t'écris beaucoup de critiques, l'air de rien, au bout d'un moment, t'as des phrases ou des expressions qui reviennent sans même que tu t'en rendes compte. Ouais, mais donne pas d'officiel. Comme ça, c'était simplement se dire ah ouais, c'est vrai que j'ai tendance à un peu trop l'utiliser, donc j'utilise moins pendant un certain temps. Et c'est à pas confondre avec le style, justement. Chacun a son style, mais il y a des choses que tout le monde utilise et que. Sur Nolife, on a toujours essayé de garder le style de chacun. Voilà. Tu vois, même si au final on écrit pour une voix qui est celle de Thomas. Donc qu'on s'en rende compte ou pas, en fait c'est un réflexe. Ça a été écrit pour la voix. Et il n'y a plus la liste maintenant. Pardon ? Non, il n'y a plus la liste, mais parce que maintenant, on le sait maintenant. Il n'y a plus de toilettes. Abonnez-vous. En fait, il n'y a pas que Nolife qui va. Il y a d'autres gens. Donc on justement, on parle de l'écriture, tout ça. Est-ce que. C'est une question que je vais vous poser, dont je connais la réponse, qu'on en a discuté tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a eu un changement dans le ton, de la manière d'aborder les critiques, Pierre-Alexandre ? Il y a eu un changement. C'est difficile à voir peut-être quand on est téléspectateur. Je ne suis pas sûr que tout le monde se soit rendu compte. Mais au début, on prenait peut-être plus de distance par rapport au spectateur. On utilisait beaucoup le joueur, on se démarquait un peu tout ça. Et par contre, après, peut-être avec l'aide de Thierry, justement, et il a imposé peut-être un autre style, tout simplement, et qui était être plus proche des gens, être plus proche des téléspectateurs, et utiliser donc des nous, des vous, s'adresser aux gens. Et ça, on l'utilise beaucoup plus maintenant. Si vous allez voir sur Nolife Online, vous verrez peut-être justement ce changement. Peut-être que sur l'évolution, ça c'est un peu, c'était un peu plus difficile à voir, parce que c'était un changement qui était lent aussi, on n'a pas fait ça brutalement. Donc voilà, mais il y a eu un changement de ton, oui, il y a un changement. Avec l'arrivée de Thierry, donc un petit peu plus proche du téléspectateur, plus de chaleur humaine, est-ce qu'on peut traduire ça comme ça ? C'était un choix plus personnel. Moi, j'étais même pour en fait que les critiques soient signées, bon, ce qui n'a pas été fait, d'une manière justement, ce qui est un vrai lien qui s'installe entre le téléspectateur et les gens qui font des critiques à Nolife. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui est intéressant, c'est que tu te retrouves. C'est-à-dire, ah oui, c'est lui qui a fait la critique, je sais ce qu'il avait pensé de tel ou tel jeu, je suis de son avis. Donc du coup, tu crées en fait des affinités simplement et des liens entre spectateurs et les gens qui travaillent. Ça a double tranchant aussi, parce qu'il y en a, il suffit de dire tiens, c'est la critique de Pierre-Alexandre, enfin, j'aime pas Pierre-Alexandre. Voilà, ouais, mais bon, je prends ça, comme exemple. Ensuite, on espère que les spectateurs soient ouverts, s'intéressent davantage au jeu. C'était un choix. Enfin, t'es fan, c'était gamer. Tu t'en fous au final de la personne qui a fait la critique. Ce que tu veux, c'est un autre avis que le tien, en fait. Mais sinon, il y a autre chose que je trouve, enfin que moi je retrouve à Nolife, mais pas forcément ailleurs, c'est la segmentation à l'intérieur des critiques. C'est-à-dire que c'est vraiment très très segmenté. L'intro, l'histoire ou le concept, le gameplay et la conclusion. Et ça, d'habitude, dans les autres médias par exemple, c'est beaucoup plus mélangé et je trouve que ce qu'on fait sur Nolife, du coup, c'est extrêmement clair. Donc c'est vraiment, on sait que là on parle du gameplay, ça va pas être noyé par le reste. Alors, si tu me permets, Anne, les jeunes avisés ont probablement dû remarquer des changements sur les autres médias, justement. Alors que, ouais, non, je sais, ça nous fait sourire, mais parce que c'est drôle. Alors que, avant, une critique de jeu vidéo, un test. Je dis les mots. Faut balancer. Un test de jeu vidéo à la télé, Thierry, c'était. Alors la maniabilité est puis on te mettait des images de trailer et puis basta, ça durait 2 minutes, c'était des termes très très bateaux et puis on mélangeait un petit peu tout, on allait parler de l'histoire au milieu de la critique. Et il y a aussi autre chose, c'est que la plupart du temps en fait sur les autres médias en fait c'était du montage cut. C'est-à-dire que t'avais une bande d'images sur bêta, et ensuite tu faisais du bout à bout avec ces images. Voilà, alors que nous, tous les monteurs montent sous avide, et donc du coup on a la possibilité de mettre en avant une partie de l'image, etc. Donc de réellement genre coller au plus près au texte et vraiment rentrer dans le détail du gameplay. D'accord, alors donc cette manière d'aborder les jeux, de segmenter le truc comme tu nous disais tout à l'heure, maintenant on peut la retrouver autre part. Voilà. On n'en dit pas plus. Il y a aussi d'autres choses. Au bout de 6 mois, on l'a retrouvé autre part. Hein. Oui. Ouais. Avec un habillage très similaire. Comme par exemple, une nouveauté sur les 3 dernières années, c'est l'apparition du traitement de jeu 18+, sur l'antenne, donc après 22h30. Et là aussi, ça a été repris par d'autres émissions, par d'autres médias, etc. Je vois pas laquelle. Bon. Si vous voulez bien, maintenant, on va essayer de. On va voir, et puis on va même conclure, parce que ça dure bien trop longtemps. On va conclure. On a pas eu ça durant 3 ans. Hein, ça dure 3 ans pour les 3 ans d'arrêt, c'est pas mal ça. Ouais, pas mal, t'es. Et simplement terminer sur justement les jeux ou le jeu qu'on attend de pouvoir critiquer ou simplement de pouvoir jouer, on va dire un jeu qui va Super sortir. Super Mario Galaxy 2. Voilà, donc Mario. Ouais, Mario c'est un réflexe pavlovien quoi. C'est ça, on lui a mis des électrodes en fait, au niveau de Yoshi.
du bout du pays. Il fait le film. Ouais. Donc toi, c'est ça, ouais, Thierry, c'est photo. Ce que t'attends. Ouais. Et quand on va le recevoir à la rédaction, personne, tu vas le garder pour toi. Voilà, d'accord. Non, il est comme ça. Rien, ouais. Je disparais, non, mais en plus, je pense poser au moins une ou deux journées pour pouvoir y jouer tranquille chez moi. Ok, alors toi, Julien, est-ce que le jeu que tu attends, est-ce qu'il a un rapport avec Shadowrun ou pas? Ça, on sait... Alors, j'aimerais bien qu'il y ait un vrai jeu Shadowrun qui sorte. Mais on n'y pas pour tout de suite. Pour l'instant, le truc qui s'en rapproche le plus que j'ai trouvé, c'était Mass Effect. C'est un peu Shadowrun dans l'espace. Un débat. Mais non, le jeu que j'attends, c'est, je pense, Fallout New Vegas. Parce que Fallout 3, j'ai pas franchement aimé l'écriture du jeu. J'ai trouvé assez pauvre. Le gameplay, pourquoi pas. Donc, ce gameplay avec les mecs de Obsidian, qui sont les anciens de Black Isle, qui ont fait Fallout 1 et 2. Et Tactics. Enfin, Tactics, c'était Microforte qui l'avait développé, mais voilà. Il me semble que c'était Bernard Microforte. Enfin, bref, ils avaient bon. Et en plus, New Vegas qui reprend les éléments que eux avaient prévus pour leur Fallout 3 à l'époque. Ouais, tout à fait. Donc, c'est, pour moi, c'est le vrai Fallout 3 que j'attends, c'est celui-là, en fait. Pierre-Alexandre. Moi, c'est le prochain Tenchu, histoire de me dire que je peux passer du premier niveau, tu vois. Non, non, le prochain GTA, tout simplement. Je pense que... D'accord. J'attends avec impatience, en fait. Je suis un rockstar. Ah, c'est pas FIFA 2011. Non, parce que j'en ai tous les ans, finalement, je suis rassasié, en fait. Okay. Pas... D'accord. Anne. Ben là, le créateur, donc Takashi Keita, donc de Katamari et Nobinobi, n'a pas prévu de jeu pour l'instant. Je crois qu'il veut faire des parcs pour les gamins en Angleterre. Enfin, bref. Et... Donc tu seras au parc alors. Oui, voilà, genre en Angleterre pour faire du toboggan. Et bon, je veux dire Dragon Quest 9 hein, en attendant. C'est bien ça, c'est la 3D et voilà quoi. Ok, nice, Jonathan. Bah moi pour l'instant c'est Metroid Other M, parce que Super Metroid c'est le meilleur jeu de tous les temps. Désolé, c'est clair. Comme ça, okay. Mais il y a des trucs que j'attends mais qui sont pas annoncés de Nintendo. Peut-être un nouveau Pikmin et un nouveau Star Fox. Tous les soirs pour avoir un nouveau Pikmin et Star Fox. Pour les connaissants, il y en aura un, t'inquiète pas. Ah mais ça fait longtemps quoi. Oui, mais ça va venir. Un jour. On a bien eu Punch-Out hein, cette année. Oui, ça a mis du temps Punch-Out, mais il est venu. Alors donc toi, à la cave, j'imagine que ça tourne autour du champ lexical du Pokémon. Ah oui, bah ça forcément. Bah là, ils ont annoncé Pokémon Black and White, le prochain. Donc pour l'instant, on sait pas grand-chose. On a vu que quelques images qui sont vraiment très très belles pour un Pokémon. Pour une fois, on est dans un vrai environnement 3D. Bon, c'est toujours des personnages sprités. Et il me semble qu'il y a beaucoup de profondeur comme ça, de plans. Il y a plusieurs plans successifs. Et je me demande s'ils vont pas nous préparer un truc sur la 3DS, en fait. Donc j'attends de voir, parce que la 3DS, bon, bah, on en parle, mais on aura envie de voir, on en saura plus bientôt. Et bah, Pokémon, de toute façon, c'est une recette qui marche, ça peut pas ne pas marcher, c'est super bien, ça a toujours été bien, je les ai tous faits, donc il n'y a pas de raison. Je vais faire ma petite centaine d'heures dessus, et puis il y a eu les trois nouveaux starters qui ont été présentés, ils sont tous mignons, et on attend de voir comment tout ça va évoluer. D'accord. Évoluer sans Pokémon. Mauvais jeu de mots. Ouais, évoluer Pokémon, c'est génial, mais c'est ça non, aussi. C'est là pour connaître les vrais mecs. Quoi. Et toi, Médoc voilà. Et alors moi, c'est Persona 5. Qui est censé normalement sortir. Je sais plus si c'est là où on se rend compte de mon professionnalisme. Je sais plus si ça relève de la rumeur ou si ça a été annoncé par Atlus, mais sur PS3, en tout cas sur une console HD, et j'imagine que ça sera sur PS. Un Persona, même un bon RPG, s'il vous plaît, sur console HD. Un bon RPG avec de la profondeur. Quand je dis ça, je pense à Nipponichi, mais malheureusement, le Disgaea, c'était vraiment vilain. C'était un viol de rétine. Donc j'espère vraiment qu'on aura un bon RPG au tour par tour, bien old school. Ça va, les actions RPG sur console HD, et je pense à Persona 5. C'est pas StarCraft 2, donc on fasse une boucle, non. Vas-y. C'est StarCraft 2. Voilà, ben, je crois qu'on a tout dit. Je crois que maintenant, après toute cette discussion, je sais pas combien de temps ça a duré, mais on a bien vidé notre sac. Vous êtes un peu plus aware, pour reprendre des grands, ouais, je sais que des grands penseurs, rire, sur l'état d'esprit de No Life, de la rédaction de No Life, comment on bosse, comment ça se passe, ce qu'on attend, et ce à quoi vous devez vous attendre en termes de traitement de jeux vidéo sur la chaîne. Remerciements avant de se laisser. À l'instar des professionnels, parce que bien évidemment, là il y a des jeunes, mais il y en a d'autres qui ont participé à la rédaction de plein de critiques, notamment le président Seb, Thomas Guitard, la voix off de No Life, Mathias, le petit copain de Marcus.
Des vies, évidemment, qui avait fait Spider-Man. Ouais, voilà. Hugo Délire. Par Otaku, hein, qu'on connaît pour. Enfin, on va pas le dire sur la chaîne. Alex, évidemment, Alex qui avait aussi participé à. Bah vas-y, Alex, on t'a pas entendu depuis le début du débat, c'est grave. Moi, j'ai surkiffé Bangayo sur DS. Voilà. Bangayo sur DS. Je l'ai adoré. Voilà. Et vraiment. Eh ben voilà. Mon role-playing gang que je tiens à saluer parce que évidemment j'étais pas seul à écrire les critiques et les gros dossiers, notamment Obliv qui avait fait un truc pour le premier EXP, un truc de fou sur FF12 où il avait montré la technique pour faire de l'XP en lâchant la manette, truc de ouf. Le jeune stagiaire qu'on a eu il y a pas longtemps qui ressemblait un peu à Depardieu, je sais pas si... non mais c'est, je sais pas s'ils l'ont vu, si on a peut-être vu un jour bref, c'est Guillaume, ouais. Guillaume qui se reconnaît parce qu'on l'appelle Michel, donc là direct il se reconnaît. Dame Dame aussi qui a dû tester du comment on appelle ça, Dance Dance, et voilà. Puyo, Dance Puyo. Dance, tout à fait, et tous les autres qu'on a oubliés, lol, c'est la cave qui a écrit Clem, le ingénieur qui fait 1m70. Voilà. Donc, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je crois qu'on est bien là. On remercie tous les monteurs, hein, parce que je prêche pour ma paroisse, mais tous les monteurs qui ont dû se taper toutes les critiques à monter. Aussi, les gens du son, la technique. Et tout le staff technique d'une manière générale. Tous ces gens de l'ombre qu'on ne voit pas assez dans la lumière. Les gens qui branchent les câbles. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui branchent les câbles en fait. C'est pas un sous-métier. Non, c'est... Ah, non, non, parce que la dernière fois, tu me disais... Non, ouais, mais... Attends, non, mais, il m'avait volé 10 euros. Ouais, bah, il en a peut-être besoin. Ouais, bah, anyway. Anyway, et on remercie bien évidemment tous les gens qui gravitent autour de nos lives, qui nous aident tous les jours à fournir des programmes de fous. Et tout en dernier, on vous remercie... Les gens qui font les jeux aussi, parce que sinon, les gens qui font les jeux, mais qui seulement font quand les bons jeux. Voilà. Et bien évidemment, vous qui nous suivez depuis 3 ans, ça fait plaisir. Merci, on se retrouve bientôt. J'ai jamais su comment terminer une émission. En règle générale, c'est Thierry qui écrit la fin. Au revoir. Il y a, dans notre univers de geek, d'otaku, etc., il y a un truc, c'est qu'on veut toujours être les premiers, et les premiers à avoir découvert la musique, le jeu vidéo, le premier à avoir lu le truc, le premier... En fait, on a envie d'être quasiment les seuls et de faire découvrir notre trésor aux autres en disant « Ah, t'as vu, hein, c'est moi qui ai découvert Indiana Jones, ah, tu connaissais pas, hein. » Voilà. Et plus des gens connaissent notre trésor, plus on est malheureux et plus on a envie d'en trouver un autre. Et ben, No Life, c'est un peu ça. Au début, il y avait qu'une poignée d'élus qui regardaient la chaîne. Maintenant, vous êtes, je sais pas, 100 millions, c'est ça, à peu près, hein. À peu près. 100 millions. Vous êtes 100 millions à regarder et forcément, ceux du début, ils sont un peu frustrés et ils crient un peu partout. Moi, j'ai vu la chaîne dès le 1er juin, il y a 3 ans. Moi, j'étais devant. Sur le canal 32. Sur le canal 32, uniquement sur la Freebox. Alors qu'aujourd'hui, on est sur la 9box, sur la 10box, c'est bon, j'en ai dit 3. Ces gens qui ont regardé depuis le début, ils voyaient l'équipe travailler dans des locaux tout petits. Ils les voyaient travailler dans une cave. Nous, on appelait ça les locaux de Picpus, puisque bizarrement, c'était à Picpus, à Paris. Et bien, séquence nostalgie pour tous ces gens qui regardaient la chaîne dès le début. Regardez. Alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, ce chemin. Sûrement, les plus anciens qui regardent nos lives reconnaissent un peu. En tout cas, moi, dès que je suis arrivé dans la gare, j'ai eu un vent de nostalgie que je me suis pris en pleine face. Et là, j'ai vraiment... de refaire ce chemin, ça me donne... Ah, ça me fait vraiment bizarre. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ce chemin, je l'ai fait tous les soirs pendant un an et demi. Au début, d'ailleurs, la rue, je ne l'avais jamais vue de jour. Et ça me fait bizarre de revenir ici. Au bout de 3 ans,
Donc voici, mesdames et messieurs, les premiers locaux de No Life, qui maintenant ne sont plus les locaux de No Life, non, puisque maintenant on est parti dans les plus grands locaux que vous connaissez. Ça, c'est les premiers locaux. Et maintenant, en fait, bah, c'est plus du tout une chaîne de télé à l'intérieur. Entrez. Alors avant, en fait, quand on rentrait ici, déjà c'était rose. Là, c'est plus très rose. Et là, il y avait le bureau de Suzuka. En gros, ici, c'était le bureau de Suzuka. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, c'est une salle d'attente. Et quand on allait un peu plus loin, dans le fond, on avait ici... Bon, là, il y a toujours les toilettes, ça n'a pas changé. Ça, c'est bien. Ça, on reste toujours... À part qu'il n'y a plus la liste des mots à ne pas dire pendant les 101% sur les jeux vidéo, etc. Ici, c'était la salle de saisie. Qui est maintenant une autre salle d'attente. Et là, ici, on ne pouvait pas bouger. On ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Il y avait une télé ici à votre place. Là, il y avait un gros canapé qui servait à Clem et à Alex pour dormir lorsqu'ils ne rentraient pas chez eux. Et il y avait des consoles de jeux de partout. Et c'est vachement mieux rangé maintenant, quand même. Et bien sûr, le bureau du patron. Le bureau de Seb. Qui est beaucoup mieux rangé aussi maintenant. Alors là, vous aviez Seb, puis en face, il y avait Thierry qui est venu après un petit moment dans la life. Et ici, il y avait un petit bureau où bossait la cave. Et à la place du bureau de la cave, maintenant, il y a un lavabo. ce qui est assez bizarre. Et là, on entre dans la pièce maîtresse de la chaîne qui était forcément. De tournage. Et maintenant, bah comme vous pouvez le voir, c'est un bureau d'un médecin avec une table allongée, etc. Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui c'est une spéciale pédiatrie. Et j'aurais adoré avoir ce décor pour faire des 101%. Là, j'aurais pu me peser et tout, ça aurait été trop bien. Vous vous rendez compte, là on avait le fond vert qui est maintenant un fond bleu. On avait des mousses partout sur les murs. On avait les spots où on avait trop chaud. Et la fenêtre, je ne l'ai jamais vue ouverte de ma vie. C'est la première fois que je vois la rue par cette fenêtre. Les volets étaient tout enfermés forcément puisqu'on était obligé de tourner. Et donc bah, on utilisait toujours une lumière artificielle. Elle paraît immense, la fenêtre. Enfin, voilà. Et alors, pour finir, bien sûr, on va aller là où les monteurs vivaient, là où Alex vivait, là où nous tous, toute la rédaction était en effervescence, la cave. Et il n'y a plus d'escalier. Alors, ça, c'est une grosse nouveauté, parce qu'avant, quand on était par là, on tombait. Et il y avait Alex aussi qui faisait le premier debug mode dans les escaliers, là. Et ben là, il n'y a plus d'escalier. Eh ben, on va aller voir. C'est bien, ça fait passage secrète. J'ai peur de me casser la gueule. Ah, c'est toujours les mêmes escaliers. C'est toujours les mêmes escaliers, sauf que la rampe a été un peu aplatie dans le fond. Tu veux y aller ou pas? J'ai peur. Bon, j'y vais, hein. Tadam. Hey, il y a toujours le poster des coussins Mario. Regarde le poster. Ça, c'est le truc qui reste de No Life, quoi. Wow. La bande d'arcade, elle était là, devant la porte. Là, il y avait la bande d'arcade. Là, il y avait les bureaux où on bossait, il y avait Rémi qui était là, puis
Pierre-Alexandre qui était là ou là-bas. T'avais Anne aussi qui bossait là. Là, il y avait encore un ordinateur, c'est l'ordinateur de saisie. Là, on avait encore un ordinateur. Et là, Alex, qui est remplacé par des boîtes de chaussures. Voilà. Voilà à quoi ressemble l'ancien No Life, les anciens locaux de No Life. On va ressortir en essayant d'éviter de se prendre la trappe. Allez, on fait comme un symbole, on referme la trappe sur les 1 an et demi de No Life ici. Pour terminer, hop. Hop. Ça fait bizarre, hein. C'est-à-dire qu'on bossait là-bas en bas et en fait c'est une cave. Nous quand on y bossait, on voyait pas que c'était une cave et en fait c'est vraiment une cave. Hop. Voilà. Maintenant on est prêt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que ça va être les prochains, les locaux de maintenant? Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Je sais pas. No Life, c'est 3 ans. Comment elle a pas encore coulé la chaîne? Je comprends pas. Pourtant on a tout fait pour faire fuir le spectateur. On a joué comme des tringles à rideau. On a tous des gueules de débiles. On fait des blagues. Putain, t'es lourd. On fait des blagues sur les personnes de petite taille. J'ai 30 ans et je suis costumé en petite fille. Non mais qu'est-ce qu'on peut faire de pire pour la couler cette chaîne? On pourrait faire des blagues misogynes. Déjà fait. On pourrait tuer des enfants. Ouais, toi t'as pas vu l'épisode de Noël. Oh je sais. On pourrait tourner des épisodes crypto-gays. Non mais t'as un train de retard ma fille. Ça fait 3 ans qu'on fait que ça. D'ailleurs on a un char à la Gay Pride. C'est vrai? Non mais là faudrait trouver quelque chose de beaucoup plus hardcore. C'est vrai? Mais tout de suite je vois pas. C'est vrai ou pas? Bon alors c'est simple, on a qu'à faire un épisode où on finit tous tout dans une et où on des bébés lapins morts. Ouais, c'est une bonne idée, j'aime bien, c'est sympa. Je me demande ce qu'en penserait Sébastien. Non, en fait, on va continuer dans le classique. C'était pas vrai alors pour le chat? Alors attention, tout de suite, je vous préviens. L'animateur petit chauve avec les dents tordues que vous avez vu qui animait ce petit reportage ne travaille plus à No Life. Hein. Non, il est trop vilain, on le voulait plus. Et maintenant, tout de suite, par contre, on va parler d'un animateur qui travaille, lui, à No Life, c'est Marcus. Et vous lui avez remis, vous, les boulets d'honneur, un boulet d'honneur. Vous avez voté? Bah tout de suite, on va voir quel est le boulet qui a gagné. C'est ça, hein, le boulet de time qui a gagné? Le pire boulet de time de Marcus. Alors, pire que les boulets de time? Bonsoir à tous, bienvenue sur No Life, bonsoir Marcus. Bonsoir Caroline, bonsoir petits amis de No Life. Vous avez été nombreux à nous le réclamer, alors ce soir on va revoir tous ensemble les 20 meilleurs bullet time survenus dans votre émission, cher Marcus. Tout à fait Caroline, j'aurais même presque envie de dire hein, les 20 pires bullet time. Marcus, dites-moi, qu'est-ce qu'un bullet time? Eh bien Caroline, il s'agit en quelque sorte d'une maladresse, hein, d'une action complètement ratée. Hein, dans une émission, j'essaie de montrer des choses aux téléspectateurs, puis des fois ça ne marche pas. Hein. On dit communément, je fais mon boulet. Ah, faut dire d'ailleurs, je suis quand même un peu connu pour ça, je suis un peu le Pierre Richard, le Bonaldi, le Gaston Lagaffe du jeu vidéo. Oui, donc on l'aura compris Marcus, grâce à vous votre émission est un bêtisier permanent. Cependant, il y a des moments pires que les autres, des moments de grande maladresse, je dirais même des moments de grande solitude. Et ce sont ces moments-là que vous appelez des bullet time, que vous passez au ralenti d'ailleurs. Peut-être pour vous humilier un peu plus, je ne sais pas, vous n'avez donc aucune dignité? Ah non, absolument pas, non, vraiment aucune. Alors là, je suis même assez fier de ma maladresse, je peux vous dire, c'est même devenu un courant de pensée, hein. On appelle ça la gros doigtitude, pour tous les gens qui ont des gros doigts. Hein. Et l'idée c'est de dire... On s'en fout de mal jouer du moment qu'on joue avec nos potes et qu'on se marre, voilà.
Eh bien, Marcus, c'est une bien belle philosophie. Cependant, avant que vous n'instauriez le système des bullet time que vous diffusez en ralenti en cours de l'émission, il me semble que vous avez quand même commis pas mal hors concours, je dirais. Oui, c'est exact, c'est exact. Dès le premier chez Marcus, d'ailleurs, hein, sur Lego Star Wars, j'arrivais pas à trouver une porte qui était pourtant ouverte. Ça arrive parfois. Mais on n'appelait pas ça encore des bullet time à l'époque. On n'avait pas trouvé de nom. Ce n'est qu'à partir de l'émission chez Marcus consacrée à Wally, où là, il y a beaucoup de maladresses qui se sont succédées, qu'on a décidé d'appeler ça le bullet time. Voilà. Mais du coup, alors avant ça, ils n'ont pas tous été répertoriés, malheureusement. Ah si, si. Si, si. D'ailleurs, on les a tous et on va les regarder tout de suite. Tous ? Non, pas tous, on n'exagérait rien. Il nous faudrait au moins 2 jours comme pour le Téléthon et 2 jours avec un handicapé de la manette comme vous, ce serait pas si portable. Non, non, non. On va juste regarder les bullet time, les pré-bullet time, que dis-je, les plus affligeants. Regardez. On y va, on y va. On y croit, les gars. On ouvre. Non, ils en ont rien à cirer. À moins que ce soit déjà ouvert. Ah oui. Ben voilà, c'était déjà ouvert en fait, c'est juste on voit pas la porte moi. Excusez-moi, ça arrive, je suis désolé, ça arrive à des gens très bien. On va aller en Amérique du Sud. Je vais vous faire voir les auto-tamponneuses. Tiens, voilà, justement, vous faire voir pourquoi c'est pas bien, les auto-tamponneuses. Dans tous les jeux comme ça où il y a des mini-jeux, il y a toujours cette espèce de truc. Alors des fois c'est des lutteurs de sumo, des fois c'est des boules, avec une arène très, très petite et il faut essayer d'éjecter les autres de l'arène. Voilà, ça marche toujours ça quand on joue à 4. Sauf que regardez les manettes, voilà comment on fait pour tourner. On tourne à droite, à gauche comme ça. C'est pas très instinctif comme façon de tourner, je trouve. Voilà, et j'appuie sur le bouton 2 qui est quand même situé très bas sur la manette pour avancer. Donc, c'est pas génial, génial. Je sors de ce niveau, essayer de vous en faire voir un autre, plus sympa. Donc voilà, il y a des petites erreurs. C'est dommage quand on fait plein de mini-jeux comme ça, il faudrait qu'ils soient tous irréprochables, qu'ils soient tous faciles à prendre en main, etc. Parce que c'est quand même pas compliqué de faire des mini-jeux et c'est pas très. Enfin, c'est pas compliqué. J'aimerais pas être à leur place non plus, je reconnais. Marcus, je voudrais pas dire, mais le lapin il la tenait comme une manette Super Nintendo et toi tu la tiens comme ça. Peut-être ça le. Ah, tu veux dire qu'il fallait la tenir de ouais, profil. Il disait comme ça, donc c'est gauche et droite, c'est peut-être un peu plus. Ah, c'est ça. Alex Pilote me fait remarquer très justement que le lapin tenait la manette comme ça et que c'est moi qui n'ai rien compris. Alors je retire ce que je viens de dire. Allez, je vais vous faire voir. C'est juste pour les filles, je vais vous faire voir un peu la musculature encore de Vin Diesel. Régalez-vous les filles. Quand même une belle bête, hein, faut reconnaître. Bon, j'ai pas resté non plus suspendu un quart d'heure comme ça pour vous faire plaisir. Donc si tu voulais bien avancer, et s'il te plaît, de l'autre côté. Voilà. Merci. Ah non, mais quel... Eh hey, oh. Pourquoi il veut pas avancer? Ah d'accord, faut que je pousse vers l'avant pour amener le personnage vers moi, ce qui est pas très logique. Encore ces foutus angles de caméra qui sont parfois assez troublants et assez déroutants. C'est dommage. Sinon, le reste est quand même assez jouable et plutôt bien foutu, je trouve. Faut bien quand même réussir au moins un petit meurtre tranquille. J'ai chialé tout doucement. Je sors la tête et je tombe sur le genou du mec. Ah, c'est tout moi, ça. Bon, alors, on va revenir rapidement. Non, on va pas revenir rapidement. On va aller s'écraser comme une merde au fond de la cascade. Évidemment, comme d'habitude, hein, ça marchait beaucoup mieux aux répétitions. Et je n'avais pas ces soucis. Oh là là, je suis même plus foutu de franchir ce truc. C'est quand même terrible. Donc j'ai intérêt à courir très très vite. Et à sauter au bon endroit. Et à pas tomber dans les trous, comme là. Parce que sinon, je suis obligé de recommencer. Oh la vache, là je me suis rattrapé. In extremis. Ah, à chaque fois, je rate. Voilà! Dès que je la ferme, ça va tout de suite mieux, vous avez remarqué. C'est le problème, de mon cerveau n'est pas capable de faire 2 choses à la fois. Moi, parler, vous expliquer des trucs, échapper à un éboulement, je ne peux pas tout faire à la fois. Je suis désolé. Je comprends mieux. Donc vous avez un cerveau monotâche, c'est ça? Voilà, tout à fait. En fait, mon cerveau n'est capable d'effectuer qu'une seule tâche à la fois. Je dirais même que vous êtes une grosse tâche. Oui, mais saviez-vous, Caroline, qu'il existe différents types de bullet time? Ah bon? Parce qu'il en existe plusieurs sortes, donc... Exactement. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer par regarder ce que j'appellerais les bullet time classiques, hein, qui sont simplement dus à une maladresse, une mauvaise manipulation de ma part, hein, puisque, bah, vous le savez, j'ai un peu des gros doigts, donc... Hein, c'est comme si j'avais 3 doigts, comme une poule, en quelque sorte. J'ai presque envie d'appeler ça des bullet time. Donnez-moi ça, c'est confiscé.
confisquer. Oh non. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. On va maintenant regarder donc les bullet time classiques, avec le premier apparu officiellement dans Chez Marcus, le Chez Marcus sur Wally. Je peux... Non, c'est moi qui joue. Non. Mais juste une fois. Non, non. 30 secondes. Vous avez vu qu'il y a le rond qui est devenu disponible en bas. Vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est là où apparaissent les figures que je peux faire et le boost. Oh la vache! Bullet time! C'est reparti! Oh, pas vrai. Je peux même sauter sur leur camion, tiens, si j'avais un peu de courage. Ah, je suis tombé à côté! Et voilà! Bullet time tout de suite, il y avait longtemps! Sauter sur leur camion, tiens, si j'avais un peu de courage. Allez, on reprend. Je refais la même chose. Comme ça, vous allez voir que c'est pas scripté à mort et qu'il se passe pas forcément deux fois la même chose. Voilà, par exemple, je peux tenter la corniche. Vous voyez, quand même astucieux. Hop, lui, il a rien vu. Par contre, il est un peu loin. Il m'a vu, par contre. Et puis, j'ai toujours pas de flingue. Et puis, je me laisse dans le vide. Bullet time, le deuxième. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu du bullet time dans un schéma, que ça manque un peu, voilà, vous en aurez que deux, j'espère qu'il n'y en aura pas plus. Je vais essayer de rejoindre l'autre corniche, et maintenant on va dégommer, voilà, voilà, complètement à côté, ça mérite un bullet time. Bon, je vais me concentrer, essayer de vous épargner les bullet time un peu trop fréquents. Est-ce que je l'ai lancé assez fort? Je vois pas bien. Ouais, oui, si, je l'ai lancé assez fort. Et puis, je me suis bien mangé la porte. Allez, bullet time avant de partir! Se manger une porte. Il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé. Voilà. Alors, regardez, là, je vais grimper contre le mur, courir contre le mur. Tac, 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 tac. Comme... Oh non, une chute! Allez, bullet time! Il y avait longtemps. Ah, le bullet time, une très belle invention. Bon, allez, je le refais, cette fois, je le rate pas. Et regardez, ils surgissent des fourrés et ils essayent de m'embrocher à coups de baïonnette. Alors, heureusement que je me défends, heureusement que... Eh ben voilà, je suis mort tout de suite. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un bullet time dans Chez Marcus. C'est parti, bullet time! Du bullet time dès la cinquième seconde, fallait le faire quand même. Croyez-moi, quand vous allez reprendre Mario Kart, après ça, vous allez vous dire, mais c'est vraiment moche. Regardez, il est là le raccourci. Et je l'ai raté, voilà, bullet time! Bon voilà, j'ai complètement raté le raccourci, parce que pour le prendre, il faut arriver avec un turbo, sinon ça ne sert à rien. D'où ce magnifique bullet time. Ah bah, fallait bien qu'il y en ait un quand même. Allez, regardez, je retente mon raccourci. Vous avez vu que tout le monde était parti de l'autre côté. Boum! Non, on fait pas deux bullet time de suite. Ah si, parce que je vais dans l'eau direct. Oh non! On fait pas deux bullet time de suite. Ah si, parce que je vais dans l'eau direct. Oh non! Oh, la loose! Oh, c'est pas possible. Donc ça m'évite d'avoir à revenir trop loin en arrière. Vous voyez, je reviens au début de la séquence de la corde. Donc, je vais essayer de la passer. Et de pas me jeter. Non, non! Ok, c'est un bullet time. Et de pas me jeter. Non, non! Mais je regardais pas en même temps. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, en général, ça reste toujours très lisible, ce qui est un exploit. Parce qu'il y a. Qu'est-ce que j'ai fait? Un bullet time, un deuxième! Ça reste toujours très lisible, ce qui est un exploit. Parce qu'il y a... Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous jure que je ne fais pas exprès. Ça paraît difficile à croire, mais voilà, c'est comme ça. Il peut aussi, voilà, faire le trapéziste. Hey, Rodriguez! Justement. Non, non! Pas du tout à Rodriguez. C'est un bullet time! Hey, Rodriguez! Justement.
Non, mais je disais Rodriguez dans le sens où ils le disent eux quand ils font une acrobatie, ils font Rodriguez. Mais je vais essayer de le faire. Hey! 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 Ouh là là! Et voilà! La zone jaune, c'est l'endroit où il y a la quête que je dois faire. Je suis tombé. Un petit bullet time, vous m'avez vu tomber dans le trou là! On le revoit! Un beau bullet time, hein. Faut dire, regardez, c'est pas de ma faute, on le voit à peine le précipice là, c'est mal foutu, hein. Ouais, j'ai une mauvaise foi un peu des fois, mais bon. Allez, oh, cette fois je saute par-dessus, voilà. Voilà, pour le moment, il faut que je récupère tous les explosifs qui traînent. Et il y en a plutôt par là, donc tant pis, je vais sauter dans le vide, c'est costaud un avis normalement. Oh non, normalement rien du tout, oui. Eh ben bullet time, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh putain. Bah voilà, un avis c'est pas si costaud que ce que je pensais. Alors que dans le film ils sont costauds. Mauvaise foi Power. Bon, où j'étais? Bah alors du coup, je recommence alors. Je vais reparler à la fille, on va retourner chercher des explosifs. Quand on les asticote trop. Oh non non, je suis tombé juste à côté du truc, merde! Oh non non, je suis tombé juste à côté du truc, merde! Oh non, décidément c'est la loose aujourd'hui, je suis désolé. Vous avez vu ce que j'ai fait, je suis passé à un millimètre du truc qu'il fallait attraper. Voilà, alors je sais pas pour où on remonte, heureusement c'est juste à côté. Pff, oh là là, je suis désolé, alors là c'est pas la grande forme, hein. Avatar, c'est pas terrible, mais ça méritait quand même mieux que ce que je suis en train de vous faire là. Voilà, non, non, ne descends pas, mais c'est pas vrai. Je veux ramasser ce truc là. Ah mais non, on peut pas le ramasser parce que c'est juste une liane. Oh là 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 là, je comprends plus rien, c'est un cauchemar. En fait, c'est pas un truc à ramasser, c'est une liane qu'il faut prendre pour descendre. Et c'est pour ça qu'elle clignote. Pas vous infliger 20 fois cette quick time event. Attention, c'est parti. Oui, je peux rien faire, là, je vasouille, j'attends mon heure. Et j'ai encore raté. Bon, on accélère jusqu'à ce que je réussisse. A tout à l'heure. Bon, ça m'aurait pris 3 ou 4 fois quand même. C'est pas du quick time event, là c'est vraiment moi qui saute au moment où il faut sauter. Bah, je préfère 1000 fois ça que un quick time event, même si on a droit à un bullet time. C'est parti. Et ben voilà, un chez Marcus sans bullet time, c'est pas vraiment un chez Marcus, c'est pas, ce n'est pas le, comment dire, la glorification de l'agro-doigtitude, hein, encore une fois de plus. Je vais voir mon t-shirt, je suis trop fier de mon beau t-shirt. Je me lance dans ce textile maintenant, j'ai ma gamme de t-shirts à boire. Vous en verrez des nouveaux bientôt, dans les prochains chez Marcus. On va quand même pas finir là-dessus, ce serait triste. C'est pas mal hein, l'idée d'accélérer quand les trucs sont chiants en fait. Ça reste chez Marcus en temps réel, sauf que on accélère quand c'est chiant, vous avez vu? Pas mal comme astuce, c'est nouveau. Pas mal finir donc, je fais plutôt une plateforme. Voilà. Et je saute quand même, le boulet. Bullet time pour cette très belle action stupide, regardez bien. Tout à fait moi ça, voilà, je crée une plateforme pour pas avoir à sauter et je saute quand même. Ça je crois c'est un des plus beaux bullet time qu'on aura vu, en tout cas un des plus stupides. Ah oui quand même, là le dernier sur Trine est juste magnifique. Vous faites tout un truc pour éviter de vous cogner la tête sur les stalactites et une fois que c'est fait, vous sautez quand même dessus, c'est consternant. Je vous remercie, je vous remercie. Vous savez, c'est un métier, hein. ça vient pas comme ça. Il y a des années de pratique derrière, d'entraînement. Je dois avouer que vous êtes vraiment très doué pour ce genre de choses. Alors, vous savez, j'ai pas de mérite. Hein. Parfois même, ça se fait tout seul. Hein. Je fais rien de mal et crac, j'ai quand même un bullet time qui m'arrive dessus. Hein. Il suffit d'une seconde d'inattention. Vous savez, les jeux sont impitoyables avec moi. Hein. Je me retourne comme ça et crac, c'est le bullet time. Oui, d'ailleurs, je crois que dans ces cas-là, vous appelez ça le unfair bullet time, le bullet time injuste. Exactement, l'injustice dans toute sa splendeur. Regardez. Roger, 30 seconds.
Voilà, là c'est bon. Oh là là, ça tombe bien, il venait de me jeter une grenade. Les deux derrière la voiture là. Oh là là, je me suis fait écraser. Écraser par le la grosse bagnole. Bullet time, c'est parti. Allez, on y retourne tout de suite. On n'attend pas, je profite de mon nuage de fumée, je dégomme les deux gugus et j'ai failli me refaire écraser une deuxième fois. Non mais c'est incroyable. Et donc on arrive à faire un apprentissage assez rapide de tout ça. On galère pas. C'est pas de bullet time aujourd'hui, sinon on passe à notre pas, ça. C'est pas vrai? En fait, je me rends compte que ça nécessite énormément de concentration. Et voilà, et c'est pas fini, parce que vous voyez que ça continue. Avancez vers moi, ça y est. Ouf, je suis arrivé juste au-dessus. Ouf. Non, non. Oh, ça a failli être un beau bullet time, ça, j'ai failli tomber dans le vide. Non, non, on le refera pas, parce que sinon, on va pas arrêter de revoir des trucs. Yes! Oh! C'était au millimètre près. Oh! Oh, que je suis content de le voir, ce checkpoint. Ah! Ah! J'ai pas regardé ce qui se passait. Allez, bullet time! Il en faut un, de toute façon. Oh, que je suis content de le voir, ce checkpoint. Oh! Oh! Je peux pas regarder ce qui se passait. Bon voilà, mais c'est normal, je vous regardais en même temps. Allez, on y retourne. Le pire, c'est que je continue à aimer ça. Et comme ça, je suis tranquille, il est infecté. Oula, par contre, on me tire dans le dos. Non, allez, pas de bullet time aujourd'hui, on n'a pas le temps. Pourtant, on m'a bien tiré dans le dos. Si, quand même. Allez, bullet time, on va revoir ce tir dans mon dos, c'était sournois. Je suis tranquille, il est infecté. Voilà, c'était facile, je regardais pas, évidemment. Voilà, en tout cas, je lui fais plaisir. Fais un dérapage, mais oui, j'étais en train de le faire. Tu m'as interrompu. Oh là 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 là. Oh, regardez, ma main m'a collé en direct du gauche. Alors la bullet time, je veux revoir ça au ralenti. Voilà, vous avez vu? Elle m'a collé un pain. J'ai pas rêvé, vous l'avez vu? Elle m'a collé un pain, un bon direct du droit. Incroyable. Alors j'ai utilisé le bullet time à mauvais escient, parce que c'est pas que j'ai fait une bêtise, j'ai juste pas fait exactement ce qu'elle me demandait. Donc voilà, c'était pour vous faire revoir au ralenti une belle séquence. Ça peut servir à ça aussi, le bullet time de chez Marcus. Ah oui, effectivement, c'est pas toujours de votre faute, on dirait même qu'il y a une sorte de malédiction qui plane comme ça sur votre émission. Tout à fait, tout à fait, je vais vous dire, même c'est pire que ça, c'est contagieux. Quand je reçois des amis à jouer avec moi, eh ben, eux aussi, ça leur arrive, eux aussi font des bullet time, hein, c'est quand même assez incroyable. Et je vais vous dire, même pour la 100e de chez Marcus, hein, on a fait un concert en public sur Rock Band, eh ben voilà, c'est pas à l'abri, on a le droit quand même à des bullet time. Regardez. Roger, 30 secondes. Donc toi, tu fais le funambule quand t'es sur un truc? Oh non, c'est pas vrai! Bullet time! Ah, ah oui! Vous connaissez le principe, hein, dès que je fais une erreur, maintenant, bullet time, c'est parti! C'est nouveau, Mathias, on n'avait pas fait de bullet time. Non, avec pas toi. Ensemble. Mais j'ai pu apprécier certains bullet time qui m'ont fait terriblement plaisir. Il y en a eu beaucoup, malheureusement, ces derniers temps. Alors, allons-y! Regarde, ça, c'est une combinaison pour moi. Ah! Une combinaison qui va me permettre de tomber derrière. Oh, mais c'est pas vrai! Ça, c'est bullet time, non? Ça, c'est bullet time! Désolé. Alors voilà, là maintenant j'ai une combinaison qui me permet de voler. Oh non! Non, non! Qui me permet de voler comme une merde. Qui me permet de voler comme une merde, exactement. Donc, et on va redescendre, en fait, c'est en bas que ça se passe. Mais au moins, les marines, ça les fait réagir, donc ils viennent. Donc là, regardez. Oh, t'es tombé dans le trou! Un bullet time pour Jean-Claude, mesdames, messieurs, c'est la première fois dans notre émission qu'on a un bullet time pour un prédateur. Regardez. Oh, t'es tombé dans le trou! Un bullet time pour Jean-Claude! Et voilà, tu veux t'excuser, Jean-Claude, peut-être?
Et voilà, c'est exactement la même excuse que moi, c'est-à-dire ça marchait aux répétitions, quand on joue tous les deux, il n'y a pas de problème. Et là, ça marche pas. Donc quand on joue avec Jean-Claude en multijoueur, il fait le Predator et il nous chasse, nous autres Marines. Regardez, t'as vu, il était à 2 mm, le mec l'a pas vu. Peut-être j'ai mis en mode facile aussi pour qu'on soit tranquille pour cette petite démo. Oh, c'est pas vrai, Jean-Claude! Un deuxième bullet time pour Jean-Claude! Mon Dieu! J'ai mis en mode facile aussi pour qu'on soit tranquille pour cette petite démo. Oh, c'est pas vrai, Jean-Claude! Deux bullet time pour Jean-Claude et un bullet time pour Marcus. Le score s'avère serré. Allez, on continue. Mais les aliens, vraiment, c'est pas son truc à Jean-Claude. Ah non, alors en fait, faut pas filasser. Voilà, faut pas essayer de les finir proprement. Ah, mais je suis mort aussi. Deux bullet time partout, c'est l'égalité. Bravo. Allez, encore un bullet time, on le voit. En fait, faut pas filasser. Voilà, faut pas essayer de les finir proprement. Et on est reparti cette fois, j'essaye de tenir mon rang. Je vois, même le Predator qui est une bestiole avec des réflexes hors du commun arrive tout de même à faire des bullet time. En même temps avec des griffes pareilles, c'est pas non plus très facile de jouer. C'est vrai, je vous fais pas dire. D'ailleurs, je sais de quoi je parle, hein, parce que moi-même, dans le chez Marcus consacré à Wolverine, hein, où il était déguisé en Wolverine, eh ben, j'ai carrément failli perdre une narine hein, à cause de mes griffes que je me suis foutu dans le nez. Ah, si, si, incroyable. Alors ça, c'est un type particulier de bullet time, on appelle ça un bullet time physique, c'est-à-dire un bullet time qui arrive non pas dans le jeu, mais dans la réalité. Hein. Et d'ailleurs, on va en voir quelques-uns tout de suite. Oh les salauds, ils vont essayer de m'inonder. Je vais pas me laisser faire, j'ai pas envie de rouiller du tout. Je me suis blessé le nez, je sais pas si vous avez vu, ça saigne peut-être. Bullet time pour revoir au ralenti le moment où je me suis coupé le nez, tiens. Pas me laisser faire, j'ai pas envie de rouiller du tout. Voilà, et hop, à la sortie du bullet time, regardez, on essaie de m'inonder. Voilà, tiens, j'ai longtemps qu'on n'avait pas eu un bullet time. C'est un bullet time physique, je crois que c'est le premier dans. Dona chez Marcus. La première fois que je me fais vraiment mal. Et c'est parti. Hop, regardez. Oui, je rame la force. Alors évidemment, si je rame plus à droite, et ben je tourne à gauche. Et inversement, j'ai perdu mon micro. Je continue. Ah. Et voilà, tiens, du bullet time. C'est un. Voilà. Tu m'entends, Alex? Ouais. Voilà, ça c'est du bullet time. C'est du décrochage de micro en temps réel, en direct. Alors est-ce que je peux sortir? Je vais recommencer mon épreuve du coup. Voilà. Allez, bullet time pour voir comment ce micro s'est décroché. Voilà, j'avais rien vu. Bon, bah allez, on recommence. Bonjour, petite candidate. Je te fais la bise. On est des dingues. Ah non, enfin. Bullet time, on le revoit. Vous avez vu que c'est pas moi qui l'ai fait, voilà. Eh bien, mon cher Marcus, je crois que nous avons fait le tour de tous les bullet time possibles. On a tout vu, là, tous les types, ça y est. Et nous arrivons maintenant au grand moment de l'émission, puisque, chers téléspectateurs, nous vous avons demandé de voter sur le forum de No Life pour votre bullet time préféré. Et c'est enfin le moment de voir les résultats. Marcus, un pronostic? Oui, je dirais que le chez Marcus sur Splosion Man était bien raté quand même. Hein, et surtout, à un moment absolument fabuleux où je me retourne pour parler aux spectateurs et je me prends une porte garnie de piques en pleine poire. C'est magistral. Eh bien, nous allons accueillir Maître Louvet qui va nous donner l'enveloppe magique avec les résultats. Merci, Maître Louvet. Voyons voir. C'est plus que c'était, un côté tenu, les huissiers. C'est le budget. Alors, Explosion Man? Eh bien non, c'est perdu, Marcus. Oui, en fait, les téléspectateurs ont préféré votre bullet time sur Avatar. Presque un téléspectateur sur quatre a voté pour ce bullet time-là. Et il faut dire que c'est vrai, il est assez lamentable. Avec cette phrase culte, je vous cite, Marcus, un avis, c'est costaud normalement, non? On regarde tout de suite. Tant pis, je vais sauter dans le vide, c'est costaud un avis, normalement. Oh non, normalement, rien du tout, oui. Eh ben, bullet time, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh putain. Normalement, rien du tout, oui.
Bah voilà, un avis, c'est pas si costaud que ce que je pensais. Alors que dans le film, ils sont costauds. Mauvaise foi, Power. Oui, effectivement, c'est de la belle ouvrage. Merci à tous ceux qui ont voté sur le forum de No Life. Merci notamment à Ilay qui s'est décarcassé pour lister tous les bullet time sur le forum. Et pour remercier tous ces gens-là, Marcus, je crois que vous avez une grande surprise, quelque chose de très rare et de très précieux. Tout à fait, Caroline, puisque je suis venu avec ce qu'on pourrait appeler un anti-bullet time, c'est-à-dire une action d'éclat, un truc absolument réussi, un truc impossible à réussir et que pourtant je réussis, autant dire que ça ne m'arrive jamais. Hein, et on appelle ça un Rodriguez. Est-ce que vous avez réussi à faire un Rodriguez, vous? Ben oui, en fait. Je m'attendais absolument pas. Hein. C'était il y a pas longtemps, d'ailleurs, chez Marcus sur Splinter Cell. Hein. Et pourtant, c'est un jeu d'infiltration. Hein. Ça nécessite de la subtilité, de l'adresse, de la concentration, tout ça. Et là, crac, en plein milieu, paf, le Rodriguez! Génial. Très bien, donc je sens que les téléspectateurs sont comme moi, ils ne vous croient pas une seule seconde, donc je vous propose d'apporter la preuve en vidéo de ce que vous avancez avec ce magnifique Rodriguez! Roger, 30 seconds. Amène-toi, Fischer. Nous t'as dessiné la position. J'arrivais à faire un saut meurtrier direct sur lui, ce serait super. Mais à mon avis, c'est un peu chaud. Ils vont peut-être me voir. On va voir ça tout de suite. Allez, saut meurtrier, c'est parti. Et tout de suite, j'exécute tout le monde. Oh, vous avez vu ça? Alors là, les gars, je dis Rodriguez. Ah, je suis fier, c'est mon premier Rodriguez. Le Rodriguez, c'est un bullet time inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de rater une action, je réussis une action d'éclat. Et là, je ne suis pas peu fier de moi. Alors peut-être un petit bisou pour me féliciter, jeune scientifique. Ah, super. Alors, oui. Bravo Marcus, c'est vraiment impressionnant de vous voir réussir quelque chose après autant de ratés. Eh oui, oui, c'est bien là. Eh oui, mais même moi, j'ai pas encore réalisé, je me rends pas bien compte. Hein. Bon, en tout cas, alors merci à tous les spectateurs qui ont voté pour ce magnifique boulet d'honneur. Je suis extrêmement fier, vraiment, ça récompense toute une carrière de médiocrité. Enfin, vraiment, je trouve ça, je suis très ému. Merci, merci. Eh bien Marcus, cette émission touche à sa fin. Rendez-vous pourquoi pas l'année prochaine pour les plus beaux Rodriguez de l'année. Oh non, là il n'y a aucune chance. Hein. C'est moi. Il n'y a aucun risque que ça se reproduise enfin. Ah mais non, ne dites pas ça. En plus, s'il n'y a que celui-là, eh ben, écoutez, on fera un top 1 du plus beau Rodriguez de l'année. Au moins, ça facilitera les votes. Ah, c'est pas bête. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous l'année prochaine pour les Bullet Time. When the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Voilà, c'était la soirée des 3 ans de No Life. J'étais très content de la passer avec vous, même si j'étais pas payé pour le faire, parce que je ne travaille plus à No Life. Par contre, petite surprise, comme l'année dernière, fin de plateau, je vous laisse découvrir le nouveau logo de No Life, puisque maintenant, No Life va changer de logo tous les ans. Le voilà. Ouais. Ouais. C'est moche. When the science gets done and you make a neat plan for the people who are